Bon, il y a les effets différents, mais ça marche. Bon, il y a les effets de l'heure. S'ils sont pas à l'instant, c'est pas gênant. C'est pas énorme, hein, parce que moi je faisais des webinaires avec YouTube, j'avais testé, il y avait au moins 30 secondes, une minute de latence. Ah ouais. Donc là, ça va. Après, ça dépend de la connexion, c'est ça Non, c'est le temps que ça parte là-bas et que ça revienne.
Bonjour. Vous allez passer à la télé, regardez bien. Il y a un petit décalage. Vous êtes là. C'est vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien tester le qui qu'on leur dit là, qui veulent bien tester le lien que je viens de vous envoyer? Voir si ça marche pour vous. Qu'un ordi, ouais, ou un ordi ou un smartphone, hein. Voir, ça c'est le lien que tu as cliqué, c'est le lien que j'ai envoyé par mail. C'est ça, ouais. C'est peut-être pas le bon lien que j'ai envoyé du coup. Tu vois, si on le prend après. Je vais t'en envoyer un autre. Peux me redonner ton mail?
C'est celui-là. Moi, j'ai les iPods en mode, ça coupe le son, du coup, j'entends rien. Qu'est-ce que ça donne là? Du coup, tu as accès à la. Ça marche. Donc, j'ai pas envoyé le bon lien, il faut que je le renvoie. Et puis, ça m'intéresse de. Tu me dis si le son fonctionne bien aussi. Parce que là, du coup, j'ai mis des trucs, les oreilles, pour être connecté. Parce qu'en général, le son, sinon, c'est catastrophique. Ouais, c'est vachement bien. Tac, ça repart. Bon, ok. Pas de problème, de toute façon je suis pas complètement prêt non plus. Non, vous voit arriver, on vous voit arriver. Vous êtes là, c'est formidable, vous êtes magnifique.
Bon, on fait des essais techniques, hein. C'est une première pour moi, mais ça a l'air de marcher. Donc c'est pour ceux qui sont à distance. Et comme on avait décalé les dates là, à cause du décès là, de mon ami, il y en a qui ne pouvaient pas être là. Donc on avait demandé si on pouvait faire un live. Donc j'essayais de faire un live sur YouTube, mais normalement ça enregistre, si bien qu'on peut récupérer la vidéo après. Comme j'ai gardé les oreillettes pour que le son soit bon avec le téléphone, donc vous étonnez pas, donc moi ça me gêne un peu, mais je vais m'habituer. On s'occupe pas de la caméra, on fait comme d'hab, hein. De toute façon, on s'occupe pas de ceux qui sont pas là. Hein. Je sais pas s'ils seront en live ou pas, je sais pas s'il y aura du chat, on s'en fiche. On fait notre cours normal et on teste ça. Ça vous va? Bon, alors je sais pas si on est complet. Je vais vous faire passer la feuille de présence. Donc je vais juste vérifier les dates parce que du coup tout a changé. Je vais écrire dessus. On est le combien aujourd'hui? 26? 27? Ok, je vais vous laisser compléter la feuille de présence. Faites le matin et l'après-midi, hein, si vous êtes là toute la journée, on va pas le faire deux fois. Après, s'il faut, pour peut-être rapprocher la table, mais on prend des essais. Je vais essayer de déplacer la table pour là. Petite latence. Comme ça, vous, on ne vous voit pas, et en termes de respect, confidentialité, c'est pas plus mal. Sauf si vous avez envie qu'on vous voie. Et eux, ils voient mieux l'écran. Bonjour. Il y en a qui ont ça, il y a d'autres qui ont l'information 555. Moi j'ai 555, alors ça vous semble bien là en image ou pas? Je vais mettre on va faire un test. Comment? Ah oui, c'est pas grave, il doit être là. Et comment fait pour zoomer là? Allez, hop, c'est pas si mal. Ah oui, bon, on va faire comme ça. Il est beau, non? C'est Bob. Bon, c'est juste pour vous mettre en route et puis pour réveiller, et puis ça me permet de gagner un peu de temps, le temps que je vois comment on fait. Donc ça, c'est Bob, il est de super humeur. Donc l'idée c'est que vous allez vous lever et si vous êtes de super humeur, vous venez vous coller à Bob. Si vous êtes de vraiment mauvais poil, vous allez à l'autre bout de la salle. Et forcément, c'est un gradient, donc vous positionnez où vous voulez. D'accord? Donc mettez-vous debout et puis bah, déplacez-vous dans la salle pour être plus ou moins près de Bob.
Donc ça me permettra de sonder votre humeur, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Faut faire coucou à la caméra parce que du coup vous allez passer sauf ceux qui sont de mauvaise humeur, on les verra pas. Ça tombe bien, ils sont de mauvais poil. Ouais, y a personne qui se colle à Bob, quoi, c'est moyen en fait aujourd'hui. D'accord. Bon alors attends, qui c'est qui est de la meilleure humeur là? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire un pas de plus près que l'autre ou... Bon, on va commencer par ceux qui sont de bonne humeur. Alors pourquoi qu'est-ce que petite météo du jour? Je pensais que tu allais dire je suis content de venir en formation avec Andy, mais enfin bon, c'est pas grave. En fait, t'as l'air bien réveillé en plus. Ouais, ouais c'est cool. Bon, et toi? D'accord, d'accord. Voilà. Donc ça c'est cool. Je suis contente, j'ai une tendinite au poignet. Et toi alors, qui est complètement au fond? Ah oui, donc tu restes loin pour épargner les autres aussi, quoi. D'accord. Bon, et les autres, les pensées du matin qui vous envahissent, qui peuvent prendre de la place? L'information, c'est quoi? Ok, bah c'est bien. C'est là qu'en fait qu'on voit le vide sidéral dans les cerveaux, tu sais. Bon, bien dormi, très bien, bien mangé, bon petit déj. Ouais, on a plus de temps, c'était cool. C'est bien. Bah, puis ça laisse le temps d'approcher. Mais je me disais que c'est peut-être un peu court, même parce qu'on a 6 heures de cours aujourd'hui, en fait. On fait 2 fois 3 heures. C'est pas beaucoup, hein. Normalement, c'est plus que ça, je crois. Hein. Non? Bah, on a 3 heures ce matin, 3 heures cet après-midi. On fait 9h30, 12h30, et ensuite 13h30, 17h30, ça fait 4 heures, ça fait 7 heures. On est bien. C'est ce que je disais. Du coup, je vais me foutre là-bas, moi. Ok. Bon, bah, si c'est bon pour vous, on peut se rasseoir. Je peux vous rasseoir. Bon, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, donc forcément, pour les uns comme pour les autres, il s'est passé plein de choses depuis. Donc, il faut qu'on arrive à se remettre dedans, y compris en prenant vos notes. Y compris en prenant vos notes, est-ce que vous êtes capable de me dire un peu, de me résumer ce qu'on a vu, plutôt ce que vous, vous avez retenu des 2 jours qu'on a passé ensemble, les grandes idées, qu'est-ce qui vous a marqué, vous hein? Évidemment, je ne demande pas un résumé exhaustif. On a juste que vous vous remettiez dedans un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait le premier jour? Ça, on avait résumé déjà en jour 2. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'on a fait le deuxième jour? Et qu'on se cale sur ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je sais à peu près ce que j'ai prévu de faire, mais quand même. Et que vous remettiez un petit peu dans vos notes, quoi. Donc. Bah, du coup, c'est parfait. Les autres vont te redire ce qu'on a fait. On a vu un peu les différentes personnalités avec les 6 grandes personnalités, que ce soit travail humain, émotif. On a commencé aussi à regarder un peu les différents stress associés à ces personnalités. Ouais, c'est ce qu'on a complété en jour 2, en jour 2. Au début, jour 2, on a repris ça et on l'a redéveloppé un peu plus loin, tu vois. On allait un peu plus loin, parce qu'on avait fait vite fait en fin de jour 1, donc on l'a refait en jour 2, un peu plus poussé. Vous l'avez en tête, ça vous revient, les uns les autres? Ouais? Ok. Qu'est-ce que, en jour 1, on était essentiellement là-dessus, hein, de toute façon, un process comme connaissance de soi, on avait pris un peu le temps de se présenter au démarrage. Jour 2, donc on est un peu allé sur la gestion du stress, et après, vous vous souvenez de ce qu'on a fait ou pas? Alors, les valeurs. On avait commencé un travail sur les valeurs en disant, bon, de toute façon, on sait qu'on sème des graines, mais qu'il faudra un petit peu de temps pour que ça mûrisse. Est-ce que pour ceux qui étaient là, vous y avez repensé un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont traversé ou pas depuis qu'on s'est vu là-dessus? Bon, apparemment, ce n'est pas des fulgurances non plus. On va démarrer tranquillement ce matin. Ok, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre que les valeurs? Motivation. Oui, on avait parlé de motivation. Ça vous avait plutôt bien parlé. Ouais. Tu les as en tête ou dans tes notes? Merci. Le sentiment d'autonomie, le plaisir, la maîtrise, le progrès, l'appartenance et puis le plus un, le sens. Oui. Est-ce que je vous avais envoyé le lien vers le webinaire que j'avais fait sur ce truc-là? Ouais, vous l'aviez?
que je vous ai envoyé un lien vers des documents. Donc, il y en a qui ont réagi parce que c'est Google. Donc, en fait, je vous donne l'accès, mais faut, en général, il faut que vous validiez pour que je re-autorise. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, il y en a deux, trois qui ont fait ça, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait essayé d'ouvrir les documents. Pensez à le faire si ça vous intéresse hein, après, mais parce que des fois, il faut que je fasse une deuxième validation pour que vous y accédiez. Et puis oui, le webinaire, vous l'aviez, le webinaire sur motivation, je vous l'avais mis, je crois, dans le mail. Ouais, ok. Donc vous avez ça, vous pouvez le retrouver pour ceux qui étaient absents. Effectivement, motivation. Est-ce que ce qu'on a fait sur la motivation, ça vous a été d'une manière ou d'une autre utile dans votre environnement pro depuis qu'on en a parlé? Pour comprendre des choses, pour. Oui? Oui, bof. Je galère, hein. Va falloir vous réveiller un peu parce que là, je me sens seul. Hein. Utile de manière générale. Ouais, enfin, ça t'a parlé, et ouais, puis après, faut que l'occasion se présente quoi, pour que ça serve. Mais, okay. Ça m'a parlé, mais je pense que ce sera quand je commencerai des nouveaux projets où là, je peux évaluer. De toute façon, après, c'est juste une grille de lecture pour avoir des repères pour soi ou pour comprendre aussi ce qui se passe pour les autres. Quoi. Mais c'est quand même assez simple, mais c'est puissant. Moi, je trouve. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Encore deux autres sujets. Ouais, on avait commencé à parler de ce que c'était qu'un projet. Vous vous souvenez de ça? Donc forcément, si vous n'étiez pas là, donc là, ça fait un peu l'interface avec la formation gestion de projet que je peux animer aussi par ailleurs. Mais ça se relie, c'est-à-dire que là, l'objectif de ces trois jours, c'est en gros connaissance de soi, clarifier son projet, mieux interagir avec les autres, globalement. Okay. Donc connaissance de soi, on allait un peu sur la process com, sur la gestion du stress, sur la motivation qui va aussi m'aider à interagir avec les autres, mais qui est un outil pour moi. Et puis le projet pro, donc effectivement, on a commencé à parler de ce que c'était qu'un projet. On s'est accordé sur une définition commune, qui est une définition parmi d'autres, mais est-ce que vous l'avez en tête, cette définition-là? On avait dit un projet, c'est quoi? Oui, alors c'est limité dans quoi? Dans le temps? Ok, ouais. Vous pouvez reprendre vos notes hein, si vous avez des notes. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'attendais. C'est ça. L'idée, c'est qu'on s'était dit que le projet, c'est un cheminement, en fait, c'est le trajet, c'est le chemin, quoi. Hein. Et il va nous emmener d'un point A à un point B, comme n'importe quel chemin. Le point A, c'est l'idée de quelque chose qu'on veut faire, donc un rêve, une envie, une intention. Et puis le point B, l'arrivée, c'est une réalité concrète, opérationnelle. Donc c'est le chemin, c'est le projet, c'est le chemin qui va nous permettre de transformer un rêve en quelque chose de réel. Okay. Donc votre projet pro à vous, ou votre projet perso, c'est un cheminement qui ne s'arrête jamais parce qu'en fait, même si on va le borner dans le temps pour l'approche projet, en fait, votre vie ne s'arrête pas. Quoi. Mais à un moment, votre projet pro, il y a une date. Là, à telle date, je soutiens ma thèse. À telle date, je candidate dans tel labo ou dans telle entreprise. Okay. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on avait travaillé aussi sur vos priorités de vie. C'était juste une introduction. Je vous avais montré une vidéo là, avec les cailloux. Et on disait, OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je mets en premier? Parce que je trouve que réfléchir à votre projet professionnel sans réfléchir à votre projet personnel, aujourd'hui, en 2023, ce serait une aberration. C'est-à-dire qu'il faut, pour que vous soyez bien dans vos baskets, que votre projet pro vous permette de grandir, de vous développer, vous nourrisse et sur votre projet de vie, en fait, et réciproquement. C'est-à-dire qu'on considère qu'un travail, c'est fait pour se développer. C'est un levier de développement personnel, de développement humain. Donc, si vous vous mettez dans un travail qui ne vous permet pas de grandir, vous n'y resterez pas, vous ne serez pas bien. Donc, et pour ça, il faut savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui est important pour vous. D'où le travail qu'on avait fait un petit peu sur les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi pour être capable d'identifier un environnement qui ne me convient pas et ne pas y rester si vraiment ça ne me convient pas. Si vraiment un choc de valeurs, ça, vous ne pourrez rien y faire, il ne faut pas rester. La suite, effectivement, donc comme je disais, connaissance de soi. On va dire que là, on a fait à peu près ce qu'on avait à faire là-dessus. On pourrait toujours en faire plus, mais je vous ai amené ce que je voulais vous amener. Ensuite, définir mon projet pro, mais en lien avec mon projet perso, c'est toute la complexité. Et ensuite, interagir avec les autres. Donc, le programme du jour que je vous propose, c'est continuer à travailler en fait sur votre projet pro, puisqu'on avait parlé de ce que c'est qu'un projet, mais on n'avait pas commencé à clarifier votre projet à vous. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Et cet après-midi, on sera plus dans l'interaction avec les autres sous l'angle communication. Comment je peux communiquer? Comment je peux adresser une critique? Comment je fais pour poser les bonnes questions? Comment j'interagis avec les autres? Éventuellement, comment j'anime une réunion? Et après, en fonction de vos réactions et de vos questions et de vos besoins, j'adapterai les contenus. Okay. Donc, l'idée, on était effectivement, ça c'est ce qu'on avait fait succinctement
Je vous le remets pour rappel. Juste pour semer une graine, sans rentrer trop dans le détail. Je ne sais pas où est mon pointeur. Je cherche mon truc. Alors, pour moi, la motivation, c'est plus, on va dire, comprendre. Quand je manque de motivation, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus de carburant. Tu vois. Pour moi, la motivation, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans un slide, c'est le carburant de l'action. Mes priorités, c'est quelles sont. Je peux pas tout faire. Tu vois. J'ai un temps qui est contraint, donc je peux pas tout prendre. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quoi mes gros cailloux? Qu'est-ce que je vais développer et qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté? Maintenant, pour aller chercher mes gros cailloux, il faut de l'énergie, il faut que je me déplace. Et donc, il faut du carburant. Et ce carburant, c'est ma motivation. C'est comme ça que moi, je le vois, si tu veux. Mais c'est une bonne question. Bazar là-dedans. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec le clavier. Ok, donc ça, on l'avait abordé très rapidement. Je le reprends. On avait juste dit que, en gros, c'est exactement ce que tu viens de dire. On ne peut pas tout faire dans la vie. Hein. Moi, il y a des tas de choses que j'aimerais faire, hein, mais on n'a que 24 heures dans une journée. Et une vie, ça ne dure que 80, 85 ans, hein, quand ça se passe bien, quoi, globalement. Donc, il y a des choix à faire et il faut essayer d'aller vers ce qui est important pour nous et pas gaspiller ou disperser son énergie et son temps dans des choses qui ne nous conviennent pas. Le problème, c'est que ça, c'est en général, c'est quand on vieillit, c'est quand on prend de l'expérience qu'on commence à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. C'est normal, mais plutôt on se pose la question, plutôt on trouve des réponses. Et moins on va gaspiller son temps et son temps dit, entre guillemets. On avait commencé à réfléchir, ça vous l'aviez écrit, je crois, à vos priorités à long, moyen et court terme de mémoire. Reprenez vos notes, voir si vous l'aviez, mais c'était ça, c'était clarifier mes objectifs à moyen terme. En gros, c'était ma vie rêvée dans 3 ans, elle ressemble à quoi? Je ne sais plus si on l'avait fait ou pas, ça. Vous l'aviez écrit? Oui, mais on n'avait pas travaillé. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on va commencer par ça, parce que en fait, ça, c'est ce qui va conditionner votre projet pro. Alors, évidemment, vous avez sûrement des réflexions par rapport à votre projet professionnel, et avant de le mettre en mouvement, il faut le mettre en mots. Si vous êtes capable de dire « voilà ce que je veux », vous serez beaucoup plus capable d'aller le mettre en œuvre et d'aller le chercher. Mais pour que votre projet pro, qui est une partie de votre vie, ait du sens, ça m'intéresse que vous preniez un petit peu de temps pour réfléchir à « ok, ma vie idéale dans 3 ans, c'est quoi ?» Dans 3 ans, dans 5 ans. Okay. Une fois qu'on aura répondu à cette question-là, mais ça, on va d'abord prendre le temps de le faire, mais une fois qu'on aura répondu à cette question-là, on dira « ok, ma vie rêvée dans 3 ans, c'est ça. C'est quoi l'étape indispensable que je dois avoir absolument accomplie dans 1 an pour réussir à atteindre cette vie idéale à 3 ans ?» Okay. C'est quoi l'accomplissement que je dois avoir, auquel je dois être parvenu d'ici 1 an? Et ensuite, la question, ce sera ben, concrètement, ça je passe, concrètement, qu'est-ce que je fais pour aller mettre en œuvre cet accomplissement-là? Donc, en gros, on va raisonner à 3, 4, 5 ans. Ma vie rêvée, c'est quoi? Et après, on va redescendre dans le concret, puisqu'on est sur un cheminement projet, donc du rêve à la réalité. Qu'est-ce que je voudrais avoir dans un monde parfait? Premier temps du raisonnement, donc c'est ça. Deuxième temps du raisonnement, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans un monde parfait pour avoir ça? Troisième temps du raisonnement, qu'est-ce que je peux faire en réalité, en vrai? Donc, on reste dans cette logique-là, en fait. Donc, en gros, les questions que je vais vous poser, enfin, auxquelles je vais vous demander de répondre, c'est ça. C'est quoi la vie à laquelle j'aspire dans 3 ans? Comment est-ce que je gagne de l'argent? C'est quoi ma source de revenus? Parce que c'est important. Comment je m'épanouis à titre personnel? Comment je me développe? Comment je suis bien? De quoi j'ai besoin? À quoi ressemble ma vie familiale, éventuellement, sociale? Alors, vous n'êtes pas obligé de partager tout avec tout le monde, mais ce qui est important, c'est que vous ayez des réponses là-dessus. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, c'est pas grave, mais commencez à avoir des axes, en fait. À quoi j'aimerais que ma vie ressemble? Et ce que je vais vous demander pour faire ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'écrire. Mais de l'écrire, donc de prendre un temps seul au départ et de parler au présent. Tu vois. On est, on est aujourd'hui le 27 avril, donc on est le 27 avril 2026. Voilà à quoi ressemble ma vie. Et vous le décrivez un petit peu, comme ça vient. Okay. Et puis, ce sera déjà pas mal. Ça vous parle ou pas, ça? Si ensuite, vous êtes suffisamment mûr en ayant écrit tout seul, c'est parfait, on passe à la suite. Si vous avez besoin de mûrir encore un peu, on peut faire des discussions par binôme ou par trinôme. Ça peut aider aussi à faire sortir des choses. Okay. Encore une fois, je ne vous demande pas d'avoir une réponse exhaustive et un plan précis, ce n'est pas le sujet. Bah, globalement, j'aimerais bien avoir un travail qui m'épanouit, qui me rapporte de l'argent, qui me libère du temps. J'aimerais peut-être que je serais marié, j'aurais un enfant, 2 enfants, donc je vais pouvoir libérer du temps pour mes enfants. Je vais pouvoir, je sais pas, profiter de ma grand-mère qui vieillit, enfin, je dis n'importe quoi. Je veux voyager, donc j'aimerais trouver un travail qui me permet de voyager. Bah, c'est bête, mais du coup, si je cherche un travail qui me permet de voyager, ça m'oriente déjà,
par rapport à la suite. Donc là, on n'est pas que sur le travail, on est sur l'ensemble. Ma vie, dans 3 ans, 4 ans, idéalement, c'est quoi? Ça vous va? Donc l'idée, c'est de prendre, alors, je sais pas, peut-être 20 minutes, hein, et puis écrivez tranquillement. Et puis après, vous vous parlez. Si vous avez besoin, moi parfois je suis comme ça, là je pense qu'il faut commencer poser, écrit, papier, crayon, mais si vous avez besoin de marcher, de prendre l'air, d'aller prendre un café, de discuter, des fois ça aide aussi le mouvement, hein, à réfléchir. Donc ne vous privez pas, vous êtes grand, on va se donner 20 minutes et on verra où on en est au bout de 20 minutes. Je mets une minuteur sur 20 minutes. Je vais voir si je peux mettre le live en pause. Donc pour ceux qui sont éventuellement, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, il y a 5 connexions, donc il doit y avoir la mienne, et puis il y a peut-être 3-4 personnes en ligne. Donc pour ceux qui sont connectés, bah vous faites la même chose, quoi. Enfin, je parle au téléphone, hein, mais vous faites la même chose, vous prenez 20 minutes, et puis vous écrivez. Ben voilà ce à quoi ressemble votre vie idéale. Ouais, carrément. Je suis un youtubeur.
Merci.
D'accord. Est-ce que c'était vers le mail ou pas? Je ne sais plus. Vous vous souvenez les autres, quand, quand je vais adresser le lien vers le Google Drive, il y a le document. Est-ce que le mail de Webinaire était avec ou pas? Moi, j'ai juste envie de partager avec vous. Ouais, donc ça, c'est envoyé directement depuis Google. Tu as regardé dans tes spams? Parce que je prends la liste et j'envoie à tout le monde, donc à mon avis. Alors, quand ça fait 15 jours, je ne vais pas culpiter sur le mois, quoi, je retrouve. Oui. Non, le lien. C'était sur YouTube. Alors, en fait, j'avais un webinaire que j'ai fait sur la monétisation. Tu as enregistré et c'est enregistré sur YouTube. Oui, bon, écoutez, pendant que vous bossez, je vais faire le même, je vais vous envoyer. La vignette, c'est la fenêtre. Voilà, je ne sais pas si tu connais la vignette. Et donc, voilà, vous avez trouvé que c'est la vignette. Donc, c'est ça la vignette de Vivo Live. Tu dors tout le temps, quand même. Je suis sûrement. Je te rappelle que je suis 5e date de judo quand même. J'ai des efforts. Ah, on pourrait bien passer un petit peu.
un truc, je vais débattre ça à propos de la légitimité, je vais en prendre un peu, je vais mettre un point. Je trouvais ça intéressant. C'est bon? Ça tombe bien, il vous reste 1 minute 10. Est-ce que tout le monde a fini ou est-ce qu'il vous faut encore un peu de temps? Terminé. Bon, alors, du coup, vous avez commencé à dessiner un petit peu ce à quoi votre vie idéale pourrait ressembler, à quoi vous aimeriez qu'elle ressemble. Est-ce que vous avez besoin d'en parler avec un autre ou est-ce que vous gardez ça pour vous? Levez la main si vous voulez garder ça pour vous. Ok, pas de souci. La suite, pour rentrer dans l'opérationnel, c'est de se dire, ok, je sais à quoi je veux que ça ressemble dans 3 ans, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait? Et à quoi je dois être arrivé absolument dans 1 an? Je sais pas, je pourrais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je vais prendre sur, pas un projet de vie, mais un projet plus court. Je voudrais faire les championnats du monde de judo vétéran. Ok. Bon, bah, il va falloir un peu de temps. Je vais peut-être pas le faire en 6 mois. Ce que je veux, c'est dans 1 an, avoir une forme physique au top, avoir fait au moins, je sais pas, 5 compétitions dans lesquelles je suis classé sur le podium ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, je veux dire, voilà, à 1 an, donc à un petit bout de mon projet, ça doit être fait. Et le fait de dire, ben, dans 1 an, qu'est-ce que je veux, par exemple, être au top physiquement, c'est-à-dire que dès maintenant, il va falloir que je me mette en route pour être au top dans 1 an. Je ne suis pas obligé d'être en route au top parfait maintenant. Il faut que dans 1 an, je sois au top. Et donc, ça va être ensuite, qu'est-ce que je fais tous les jours? Un petit truc, le petit truc que je vais faire tous les jours qui va me permettre d'atteindre cet accomplissement-là, en fait. Hop. Et donc, c'est ça que j'aurais que vous me sortiez. C'est-à-dire, voilà. C'est quoi le gros pilier sur lequel je vais m'appuyer pour avoir mon projet à 3 ans? Et ensuite, ce pilier-là, bah, qu'est-ce que je fais tous les jours, au quotidien? 10 minutes, 5 minutes, j'en sais rien, mais qui me permet d'arriver à ça. Et là, on va rentrer après dans une action concrète. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Ouais, je vous laisse 5-10 minutes, hein. Normalement, ce n'est pas très long. Si vous avez besoin, pareil, vous en discutez entre vous. Là, pour l'instant, la question, c'est celle-là. Hein. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien? Regardez ça pour plus tard. La question, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois avoir absolument accompli d'ici 1 an pour parvenir à cette vie de rêve? On a un succès fou. Les gens se battent pour assister à cette formation. Vous mesurez la chance que vous avez d'être là.
Un peu de temps. Non, c'est bon. Ok. Donc là, vous avez identifié le truc qui vous semble important pour atteindre votre vie rêvée à 3 ans. Vous avez besoin de temps encore un peu, non? Bon. La suite, on va continuer à creuser un petit peu. Donc là, on est sur du moyen terme. Hein. Je veux dire qu'à notre horizon à nous, 3 à 5 ans, c'est déjà du long terme. Okay. Donc le moyen terme, c'est 1 an. Et le court terme, ça va être les semaines quoi, qui viennent, en fait. Hein. Donc, on a notre horizon lointain. Alors, évidemment, on pourrait raisonner à 20 ans, mais enfin, je trouve que ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est compliqué. On peut quand même se poser des questions, mais bon, ça fait loin, quoi. Déjà, si vous avez une vision, vu la situation professionnelle dans laquelle vous êtes à 3 ans, ça, c'est pas mal. Et là, et en plus, vous avez l'étape à 1 an. Donc, l'étape à 1 an, on va la creuser un petit peu. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de se poser ces questions-là et de poser des réponses pour vous, personnelles. Vous savez ce que vous voulez accomplir à 1 an pour parvenir à cette vie. Donc, en gros, c'est cet objectif-là, quelque part. Okay. Ensuite, donc, on va aller à l'étape 2. Ce que je voudrais, c'est que vous clarifiez vos motivations en trouvant mon pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'atteindre cet accomplissement-là, de faire ça? Et là, je vais vous donner 3 minutes. Et en 3 minutes, vous allez cracher un maximum de raisons. Pourquoi? Alors, vous avez déjà de la matière parce que vous avez réfléchi à votre vie rêvée. Ok. Et cet accomplissement-là, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre vie rêvée. Mais là, je veux que vous trouviez sur... En fait, je veux que vous sortiez de la matière. Je vous donne 3 minutes. Et en 3 minutes chrono, il faut sortir un maximum de raisons d'atteindre ça. Vous allez vous auto-convaincre que c'est utile, en fait. Et vous allez peut-être trouver des raisons auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vont être importantes pour vous. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, vous fixerez la récompense que vous vous accorderez dans 1 an si vous avez atteint votre objectif. C'est con, mais on a aussi le droit de se donner des récompenses. C'est stimulant, c'est motivant. C'est bon pour vous, vous comprenez? Alors, je vais lancer le moniteur sur 3 minutes, parce que là, c'est papier, crayon et 20 raisons. Et celui qu'on a sorti le plus en 20 minutes gagne toute ma considération. Top, c'est parti, 3 minutes, top chrono. 20 raisons. Moi, j'en ai déjà 3. 4, c'est long, c'est long. Normalement, ça doit fumer, là, sur le papier. Oui, pas dans la classe. Il vous reste que 2 minutes 40. Il reste 50 secondes.
Top, ça fait 3 minutes. Ok, les crayons en l'air, comme au Top Chef. Combien vous avez sorti de raisons, de bonnes raisons? S'il n'y en a pas 20, c'est pas grave, hein, mais combien il y en a? 15, pas mal. 5? Oh, moi, pas inspiré. J'ai 13, 7, 11, 8, 9. Bon, l'idée c'est juste est-ce que dans celles que vous avez sorties, même s'il n'y en a que 7 ou 8 ou 9, est-ce qu'il y en a qui sont importantes pour vous auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé avant? Même s'il y en a une, hein, s'il y a une bonne raison de se bouger, en fait, déjà rien que ça. C'est un truc qui vous parle à vous, en fait, hein, qui vous, ça regarde personne d'autre, ça. Okay. Et ensuite, bah voilà, c'est quoi la récompense que vous allez vous donner quand vous aurez atteint votre objectif là, le sur un an? C'est con, mais moi, parfois, je me suis ouvert un bonsaï Lego, tu vois. Moi, je me donne des objectifs par trimestre. Alors, je le fais pas tout le temps. Et quand j'atteins mon objectif, eh ben, je me donne une petite récompense. Ça peut être un resto, ça peut être, c'est pas forcément, je suis pas obligé d'acheter une dernière Porsche Cayenne, hein. Ça m'arrange parce que si j'en avais une par trimestre, je serais pas où les garer. J'ai pas de garage. Mais identifiez, voilà, quelque chose qui vous ferait plaisir et qui est aussi une autre manière de vous récompenser si vous atteignez votre objectif, quoi. Tant que ça grimace, c'est que ça cherche. Comment? Bah, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, quand on prend l'habitude d'imaginer les cadeaux qu'on pourrait se faire, on y arrive. Comment? Ouais, il peut y avoir un cadeau en particulier, tu vois, qui te... Ah, quand même, allez, je m'offre un voyage. Ça peut être un truc simple, hein, mais je me fais un resto gastro, nomique, parce que gastro, entérite, c'est pas le même... C'est pas le même délire. C'est pas le même budget non plus. Mais je sais pas, ouais, moi, je sais pas, il y avait des Lego, tu vois, un petit Lego bonsaï. Je dis, tiens, ce serait marrant de faire ça avec ma fille. Oh, bah, je vais pas foutre de l'argent là-dedans. Je dis, ah, bah, tiens, allez, ce sera une récompense si j'atteins mon objectif. Et puis voilà. Et c'est bête, mais quand je vois le Lego bonsaï, je me souviens que c'était une récompense. Je sais plus pourquoi, mais je sais que c'était une récompense. C'est, alors la récompense, ça, c'est pas forcément, c'est ce que tu veux la récompense, c'est pas forcément un objet. C'est vrai que les exemples que je donne, ils sont plutôt matériels parce que c'est comme ça que j'illustre, mais ça peut être. Mais il faut quand même, il te faut une récompense, il faut un truc qui marque, quoi, tu vois. Mais je peux m'offrir un temps de relaxation, un temps au calme, je sais pas. Enfin, mais oui, ça va s'inscrire quand même dans le plan matériel réel, quoi, tu vois. Parce que ta satisfaction personnelle, c'est une récompense. Mais c'est pas un cadeau que tu vas te faire, quoi, si tu veux. C'est une conséquence du travail que tu as bien fait. Et c'est le plus important. Et on va se donner une petite récompense en plus, quand même. Vous l'avez, votre petite récompense? Bah, elle peut, oui, oui. C'est-à-dire, chaque ma récompense, c'est que j'ai le droit de démarrer un nouveau projet. C'est ça? Parce que tout le monde a sa récompense, là. Ça y est, c'est bon. Enfin, une idée de sa récompense. Oui. Enfin, toi, tu te dis, il va falloir que j'arrête de me faire un cadeau pour pouvoir me le faire en récompense, quoi. Attends. Bon, on passe au court terme. Donc, c'est la même logique. L'idée, c'est de dire, donc là, on n'est plus sur du moyen terme. C'est qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon quotidien, en gros, aujourd'hui, pour atteindre cet objectif d'un an, à un an, tu vois. Qu'est-ce que je dois changer ou mettre en place immédiatement, changer ou voilà une nouvelle habitude que je vais créer qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je vais consacrer combien de temps à ça concrètement? Est-ce que c'est 20 minutes par jour, 10 minutes, 5 minutes? C'est bien, hein, 5 minutes par jour, tous les jours déjà, même 20 minutes par jour, tous les jours, sur une semaine, ça fait une heure. Bah, celui qui se répète toutes les semaines, mon objectif, c'est ça, et qui se dit tous les jours, je vais passer 5 minutes à avancer, même un petit peu, il a quand même plus de chances d'aboutir que celui qui ne le fait pas. Donc, l'idée, c'est d'ancrer ça dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce que je vais devoir mettre en œuvre au quotidien, tous les jours, toutes les semaines, à une fréquence en tout cas quand même assez intense, qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Ça, on ne va pas trop s'occuper de ça. Donc, il ne va pas trop s'occuper de ça. On va plutôt s'occuper de celui-ci. Ça et ça. Qu'est-ce qu'il faut que je change, voilà, dans mon quotidien et quand est-ce que je le fais? Comment je fais en sorte d'avoir le temps de le faire? Ou comment je me crée un rappel pour y penser le matin? Comment concrètement je fais en sorte que ça avance? Ici, ça, c'est une époque que j'ai de le faire, mais l'allié Morgane, c'est j'ai quelqu'un avec qui je passe un deal. Il y
Et je dis, bah, moi, je m'engage auprès de toi à libérer 5 minutes tous les matins pour faire ça, par exemple. Et ben, j'aimerais que toi, tu t'engages aussi. Enfin, moi, je m'engage sur mon objectif personnel vis-à-vis de toi, et toi, tu fais pareil vis-à-vis de moi. C'est une manière de s'entraider, on va dire. On n'est pas obligé de faire ça. Moi, par exemple, c'est très, très bête, mais j'ai un genou qui est fatigué, qui est usé. Il faut que je m'étire. Eh ben, j'essaye de m'étirer à chaque fois que je vais aux toilettes. C'est très bête, hein, mais quand je vais aux toilettes, je m'étire la cuisse. Et j'essaye de faire en sorte que ça devienne une habitude. Je m'étire la cuisse 30 secondes, c'est rien. Mais si je le fais 4, 3, 4, 5 fois par jour, bah, le genou, il va vachement mieux que si je ne le fais pas. Je pourrais essayer de me mettre dans une routine. J'ai essayé de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. Dire, bah, tous les matins, je fais 10 minutes de vélo, par exemple, pour faire bouger le genou, pour le mettre en route. 10 minutes de vélo ou vélo d'appartement. Bon, c'est pas toujours possible. Je me dis, il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas encore réussi à créer cette habitude quotidienne. Mais déjà, rien que le fait de m'étirer, bah, quand je vais aux toilettes, je pense à ça. Tiens, voilà. Donc, c'est un exemple tout bête parmi d'autres, hein, mais moi, j'ai pas envie de me faire poser une prothèse trop vite. Donc, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour que ça dure un peu, quoi. Donc, du mouvement, de l'étirement. Ok. Bon, bah, comment je fais au quotidien pour pouvoir le faire vraiment? Pour que ce soit pas juste un vœu pieux. Et là, c'est un engagement que vous prenez vous avec vous-même. Et ensuite, c'est comment, dans mon système, je l'ancre. Est-ce que dans mon agenda, je me mets un rappel tous les jours? Est-ce que j'en parle à quelqu'un? On s'appelle toutes les semaines. Est-ce que tu as fait ton truc? Oui, et toi, est-ce que tu l'as fait? Mais il faut trouver quelque chose qui vous oblige un petit peu, qui vous contraint. Qui vous contraint à mettre en œuvre l'action que vous avez choisi de mettre en œuvre parce que vous êtes convaincu qu'elle vous permettra d'atteindre votre objectif à un an, lequel vous permet d'aller vers votre vie rêvée, en fait. On ne va pas passer 4 heures là-dessus. Hein. C'est vraiment, c'est plus des techniques de coaching, etc. Ce n'est pas ma super spécialité, mais je trouve ça intéressant quand même de se poser ces questions-là. Pour avoir ouais, de l'envie, quoi, de l'envie, de l'énergie, du plaisir. Et moi, je vous demanderai du coup à la fin de me dire effectivement quelle est l'action quotidienne ou hebdomadaire que vous prenez l'engagement de mettre en œuvre. Et comment vous allez faire en sorte de vérifier que cet engagement est respecté? Ça, c'est les deux questions que je vous pose. Je vous demanderai à chacun de me répondre à ça. Et après, vous n'êtes pas obligé de me donner votre vie rêvée, votre accomplissement en an, ça vous regarde, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez changer dans votre quotidien qui va vous permettre d'atteindre cet objectif à un an? Quand vous l'avez, hein, vous vous mettez debout, faites un tour sur vous-même, ou un salto arrière, ça marche aussi. Comme ça, j'ai identifié que c'était fini. Tu l'as? C'est bon? C'est très très bon. Donc du coup, j'attends le salto. Ben, moi, je vais te le faire, le salto. Oh, merde, le deuxième genou. Je me vois, je dis, mais c'est quoi ce pompon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a fait un tour sur lui-même. Alors, s'il vous plaît, vous vous levez, vous faites un tour sur place. Les autres, c'est bon aussi ou pas? Ouais. Bon, alors c'est quoi votre... Qui veut commencer? C'est quoi le changement que vous allez opérer dans votre quotidien pour atteindre, aller vers ça? C'est 30 minutes tous les deux jours. Ok. Tu as un créneau dédié à ça? Moi, mon conseil, c'est, alors ça dépend comment tu t'organises, mais si tu as un agenda, bah, tu le bloques dans ton agenda, en fait, tu vois, pour que ce soit matérialisé.
Sinon, ça risque de rester une bonne volonté, mais qui ne sera pas mise en œuvre. Donc, du coup, la deuxième question, c'est ça, c'est comment je fais concrètement pour m'assurer de le faire. Mais tu as un rappel, tu as quelque chose, tu as sanctuarisé ce moment-là pour qu'on vienne pas te déranger, tu vois, c'est un peu ça, toi aussi, c'est de se dire comment je fais pour protéger ça, parce que c'est important pour moi. C'est important parce que moi, j'ai trouvé 20 bonnes raisons, même si c'est 7, même si c'est 13, d'aller au bout de ce truc-là. Donc, c'est important pour moi, donc je le protège. C'est un gros caillou. C'est ce qui va me permettre, en tout cas, d'aller atteindre un de mes gros cailloux. Moi, c'est où je note les mots vocabulaire anglais et japonais que j'apprends en fait, tous les soirs et que je me répète le matin en dedans. Et je fais ça à 15 minutes par jour. D'accord. Et ça, tu le fais déjà? Non, d'accord. Ça, tu veux pouvoir le. D'accord. Comment tu peux sécuriser le fait de le faire? J'ai un pote qui est un peu dans le même cas et il se tient vraiment pour prendre le mot. Après, vous pouvez du coup vous mettre, je sais pas, un challenge, un quiz ou je sais pas quoi, ou pour dire tiens. Bah le samedi, on s'appelle et on se teste. Ouais, donc ça peut être tous les soirs ou en live. Enfin, mais trouver un truc, tu vois, pour faire en sorte que ça devienne marrant, que ça devienne ludique, que ça devienne une habitude qui soit utile pour toi, quoi. Bon, ok. Et toi? Moi, c'est aussi dans la cuisine en parce que écrire dans un cahier les éléments que j'ai fait évoluer dans la journée. Une sorte de cahier des succès, quoi, ou des réussites, ou aussi de. Ouais. Les bons points, les mauvais points. D'accord. Bah, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que tu as peut-être une alarme sur ton téléphone. Je ne sais pas, tous les soirs à 18h30, ça sonne. Pensez à noter ça, tu vois. Peut-être juste un pense-bête, un truc qui te le rappelle, quoi. Tu vois, ça peut être ça. Moi, je fais ça, mais je ne le fais pas assez régulièrement. J'ai une espèce de calendrier que j'ai appelé bilan. Et je note là-dedans les points clés de la journée. Tu vois. Et en fait, ça me sert notamment à la fin du trimestre. Quand je regarde, j'ai peut-être faute, je dis, j'ai pas avancé, j'ai pas machin. Et tu regardes ça et tu dis, ah ouais, en fait, si, j'ai fait plein de trucs quand même. Et j'ai eu plein de réussites, plein de petites réussites. Et puis aussi des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, aujourd'hui, je serais capable de noter ma première captation en live au cours d'une formation. Bah, c'est bête, mais tu vois, c'est une première. C'est cool. Tu le reprends dans quelques temps, tu dis, bah voilà, je l'ai fait ça. En fait. Après, je sais pas ce que j'en ferai, tu vois, c'est pas la question, mais c'est une petite réussite. Petite victoire. Moi, je le mets dans mon agenda, un agenda que j'ai appelé bilan, mais je le fais pas systématiquement, je le fais pas assez bien. Toi. Je l'ai vraiment bien fait pendant un premier trimestre et c'était cool. Et puis, je l'ai pas vraiment maintenu après. Bon, voilà. Mais il faudrait se mettre un rappel, tu vois, tiens, rappelle-toi de faire ça. C'est obligé à le faire, en fait. C'est obligé jusqu'à ce que ça devienne une habitude, un plaisir. Bien ça. Très bien. Et comment tu te protèges pour pouvoir faire ça? On conseille plutôt de faire ça le matin, parce que ça te lance ta journée. En fait, souvent c'est ce qui est conseillé. Après, bon, mais tu le fais quand tu veux, toi. Ça peut être aussi ta pause du midi. Ça peut être. Mais le midi, il peut y avoir des gens, il peut y avoir du monde. Donc, comment je fais pour m'isoler? Comment je fais pour être au calme? Tu vois, enfin, et surtout, comment je fais pour y penser? Toujours la même chose. Est-ce que tu as des réponses à ça ou? Enfin. Le temps avec toi-même, t'en fais ce que tu veux. Donc, tu peux le prendre pour écrire dans ton journal, etc. Ma question à moi, c'est pas qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, ça te regarde, c'est comment tu fais pour avoir ce temps-là, pour être sûr de pas l'oublier. Ah, mince, on est mercredi, j'ai pas fait depuis lundi, j'ai oublié de, tu vois. Je m'étais dit que je le ferais, puis je l'ai pas fait. Prendre un quart d'heure, tranquille. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix.
Bah après, ça peut être aussi, il y a des gens qui font ça. Ça peut être se lever un quart d'heure plus tôt le matin et prendre un quart d'heure peinard, tu vois. Parce que des fois, en fait, tu es mieux, tu dynamises mieux ta journée. Moi, en ce moment, je me lève, il est 6h, 6h15, je bosse. Ben, n'empêche que je suis bien à cette heure-là, je suis opérationnel et j'ai libéré une bonne partie de ce qui me gênait. Et après, dans la journée, je suis vachement plus cool. Alors, peut-être qu'après manger, un petit coup de barre, tu vois. Mais n'empêche que dans la tête, je suis bien, je suis serein. Moi, j'avais un copain, il faisait Nantes-Paris tous les jours en train. Pareil, il prenait le train à 6h ou 7h. Et en fait, il bossait 2 heures dans le train et il me disait, mais en fait, en 2 heures, sur ces 2 heures-là où personne ne me dérange, ben, je suis hyper productif, quoi. Et en fait, ben, le reste de la journée, il est cool parce qu'il a déjà fait ce qui était important. Et du coup, le reste de la journée, il la vit bien, tu vois. Ça peut être ça. Mais ça peut être, ben, c'est important, ok, ben, je libère du temps, donc je me lève un quart d'heure plus tôt, en fait. Enfin, j'ai prévu de me lever à 7h, ben, je mets le réveil à 7h, à 6h45. Et pendant le premier quart d'heure, eh ben, je suis avec moi-même. Je lis, j'écris, je reste au calme, je médite, je fais ce que je veux, tu vois. Il y a des gens qui se lèvent tôt pour aller courir, par exemple. Ils n'ont pas le temps d'aller courir, ben, ils se lèvent tôt le matin pour ça. Bon. Le mec qui prépare le marathon, par exemple, et qui bosse, et qui ne veut pas perdre sa femme parce qu'il prépare le marathon, et qui se disent, ben, il faut que tous les jours, j'aille courir au moins 1 heure. Mais tu as des gens qui se lèvent à 5 heures, 5h30, ils vont courir, ils rentrent, ils prennent la douche, ils assistent au réveil des enfants, et après, ils vont bosser. Ben, forcément, le soir, ils se couchent plus tôt. Mais ils adaptent leur rythme. C'est important pour eux de pouvoir courir un marathon, donc ils organisent leur quotidien pour pouvoir intégrer cet entraînement-là en fonction des contraintes qu'ils ont. C'est ça un peu, tu vois. Il y en a pour qui ça ira, d'autres pour qui ça ira pas, faut tester aussi. Hein. Mais c'est le même esprit. C'est très tendance, ça. C'est pour ça que c'est bien, mais c'est tendance. Et c'est important de prendre, je pense, un peu de temps au calme pour soi, dans un univers où on est tout le temps sollicité par tout le monde à gauche, à droite. Ok, merci. Les objectifs chaque semaine. Et du coup, le matin, parce que je me réveille et tout, j'ai 40 minutes pour arriver chez Boularo. D'accord. Et en fait, dans le train, je me motive, j'essaie de. Avec des idées ou quoi que ce soit, pour fixer mon objectif. Ta priorité de la journée, quoi. Ta priorité de la journée, c'est ça? Ouais. Et puis, après avoir mangé, et en fin de semaine. Alors après, ça, j'entends, c'est ton fonctionnement opérationnel quotidien, mais est-ce que ça va te permettre d'atteindre... Si tu veux bien le partager, ta finalité, ton objectif à 1 an, c'est quoi? Tout simplement quoi. Ok. Donc en fait, est-ce que le fait de. Mais peut-être que oui, hein. Le fait de te poser, de réussir à te prendre un temps pour clarifier ta priorité de la journée, par exemple, ça va te permettre de faciliter l'obtention de la thèse. Je pense que oui, hein, ça paraît logique. Donc effectivement, tu te dis, bah, peut-être quand je suis dans le tram, je me dis, ok, c'est quoi les 3 tâches que je dois avoir absolument faites aujourd'hui? Ça, c'est un truc qui marche bien aussi. C'est-à-dire les 3 tâches, et je commence par celle-là éventuellement. Quand tu as fait ça, tu sais que. Ouf, le reste, ça se trouve, tu vas en faire 10 fois plus, mais 3 tâches x 5 jours, tu as 15 tâches par semaine déjà, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc simple. C'est quoi les 3 actions que je dois avoir réalisées aujourd'hui? Je ne sais pas, poster un courrier, c'est même pas forcément par rapport à la thèse, hein, des fois. Hein. C'est, tiens, il faut que j'ai répondu au courrier de Orange, il faut que j'ai réfléchi, il faut que j'ai fait ça. Et ça évite de se retrouver avec une montagne après de trucs à faire, on est débordé, on est perdu, on ne sait plus. Mais ça peut être ça, ouais. Ok. Bah oui, mais si ton objectif c'est à 1 an, c'est d'avoir bien fini ta thèse et que ça passe par le fait d'écrire un petit peu tous les jours, t'es dedans, il n'y a pas de souci. T'es pas forcément sur une approche de développement personnel, on va dire. Tu vois. Là, on est plus sur me retrouver un peu, me ressourcer, ça m'en donne de l'énergie. Apprendre le japonais parce que j'ai envie de le faire et parce que peut-être que mon objectif c'est de partir, de vivre, de travailler au Japon, j'en sais rien. Mais donc c'est cohérent en fait. Mais si toi ta priorité c'est moi. Ce que je veux pour avoir une vie épanouie, ça passe par le fait d'avoir ma thèse dans 1 an. Et pour avoir ma thèse, il faut que j'écrive un petit peu tous les jours. Et je m'oblige à le faire, très bien, il n'y a pas de souci. Et après, la question, c'est pareil, c'est comment tu fais pour être sûr que tu le fais, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu, y a un code de la route, il y a des règles, mais il y a des gendarmes, hein, qui sont là pour qu'on les respecte. Donc c'est quoi ton gendarme, tu vois, qui va t'obliger à écrire tous les jours? Comment tu fais pour faire ça? Je ne te demande pas d'inventer un truc, hein. Si c'est un truc que tu fais déjà, c'est très bien. Mais c'est de dire écrire au moins X temps par jour, tous les jours, quoi. Comment?
Ouais, ça peut être ça, ou un temps, hein. T'as toujours pareil, t'as l'objectif de résultat, l'objectif de moyen. Je vous ai parlé de ça ou pas? Non, pas encore. On n'a pas trop parlé de ça. Souvent, quand on se donne un objectif, c'est un objectif de résultat. Par exemple, je veux écrire 20 pages. Le résultat, c'est j'ai fait 20 pages, tu vois. Et ou alors, je veux faire champion de France. Ok, c'est un résultat. Je suis champion de France, je suis premier. Bon. Sauf que je suis pas toujours sûr d'atteindre ce résultat-là. Et si je me bloque sur un objectif de cette nature-là, alors il en faut, hein. Mais si j'ai que ça, à un moment, je peux me mettre dans une situation où j'y arrive plus. Je suis bloqué et puis à la limite, je culpabilise de pas y arriver. Et donc, la solution, c'est de dire, bah, je vais mettre au moins un objectif de moyen. C'est-à-dire que mon moyen, c'est le temps que j'y passe. Peut-être que en 20 minutes, je vais écrire 2 pages. Peut-être que je vais en écrire 3, peut-être que je vais en écrire 4. Ça dépend. Puis à la limite, je m'en fiche. Par contre, j'ai bloqué 20 minutes et je l'ai fait. Tu vois, j'ai mis en place un moyen. Je me suis donné un objectif de libérer un moyen et j'ai respecté ça. Mon objectif de moyen par rapport au sport, c'est de m'entraîner au moins 3 fois par semaine, mettons. Tu vois. Et je ne ferai peut-être pas champion de France. Mais par contre, si je vais m'entraîner effectivement 3 fois par semaine, ben j'ai plus de chances de faire champion que si je ne m'entraîne pas 3 fois par semaine. Donc je me focalise pas que sur le résultat que ça va donner, mais aussi sur ce que moi je dois faire concrètement pour que ça avance. Et ça, je le protège. Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir du résultat après. Donc c'est aussi une manière des fois de déculpabiliser, puisque te dire, voilà, j'écris 20 pages tous les jours. Il y a des jours, tu vas être bien, tu vas les faire, tu en feras même 25 ou 30, puis il y a des jours, tu n'y arriveras pas, quoi. C'est comme ça. Par contre, si tu as consacré 20 minutes, les 20 minutes, même si tu n'as pas sorti 10 pages, bah oui, mais n'empêche que tu as mûri, tu as semé des graines, tu laisses le lendemain ou le surlendemain, ça va te servir. Tu vois. Parce que le cerveau, ce n'est pas un processus linéaire. Donc, de dire, je me donne 20 minutes ou une demi-heure ou une heure ou deux fois une demi-heure le matin, le soir ou effectivement une demi-heure tous les 2 jours, tu vois, peu importe. Mais je me donne une organisation et quoi qu'il arrive, cette organisation-là, je la fais respecter. Je la respecte. Parce que je sais que c'est là-dessus que mon pilier à un moment, il repose et que mon projet de vie repose là-dessus. Et je sais, j'ai 20 bonnes raisons d'aller au bout, quoi. Par exemple, si je prends l'exemple, ouais, je veux faire champion de France. Bon, je vais prendre mon exemple. Tiens, j'aurais bien fallu participer au championnat de France, Europe, monde, vétéran. 20 bonnes raisons. Ben, ça m'oblige à m'entretenir physiquement. Parce que le temps passe et que si je ne m'entretiens pas, ben, je vais être comme les autres. Deuxièmement, c'est un bon moyen de voyager avec ma compagne. 3, c'est quelque chose que je peux valoriser au niveau professionnel. 4, c'est sympa à titre perso, tu vois. 5, ça me permet de valoriser une expérience passée. 6, ça me permet de nourrir un programme de 6e dan. Il y a plein de raisons qui font que ouais, ça a du sens. Et à un moment, quand tu n'as plus envie, il y a une de ces raisons-là, les principales, on va dire, tu vas dire, ben, ouais, mais ça, c'est important pour moi, en fait. Donc, si c'est important, je me donne les moyens de le faire. Ici, vous aviez écrit 20 raisons. Hein, je ne vous ai pas refait, mais ce qu'on a fait pour les valeurs, vous aviez sorti un certain nombre de valeurs, et puis vous en avez viré une partie, puis il en restait, mettons, la moitié. Vous en avez encore viré la moitié, et puis il en restait qu'un petit peu, et vous allez chercher l'essentiel, vous concentrer, en fait. Sur vos X bonnes raisons que vous avez identifiées, vous pourriez faire ça aussi. Tu vois, c'est quoi les 3 raisons les plus importantes pour moi? Et celles-là, à la limite, vous les affichez, vous les mettez dans un coin, vous mettez dans un rappel, ou j'en sais rien, il y a plein de manières de faire, mais pour vous souvenir que vous avez décidé que ça, c'était important pour vous. Parce que ça vous permet d'atteindre votre accomplissement à 1 an, qui vous permet d'aller vers la vie vers laquelle vous aspirez. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça veut dire qu'entre celui qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, enfin, qui met en œuvre des actions pour atteindre ce qu'il veut, et celui qui ne sait pas ce qu'il veut, moi, je sais sur lequel je mise. Même si les actions que vous avez mises en œuvre, elles n'amènent pas là où vous vouliez, même si ça a changé, même s'il y a des changements, ce n'est pas grave. En attendant, vous créez de l'action, vous créez du mouvement, vous avancez, vous agissez. Et vous savez pourquoi. Donc, ce n'est pas le même engagement, quoi. Et enfin... Ouais. Comme tout le monde. D'accord. Et c'est quoi la récompense quand tu vas te donner? Par exemple, tu te dis, ben, à la fin du mois, alors ça peut être à la fin du trimestre, à la fin du mois, tu fixes le temps que tu veux, mais à la fin du mois, si j'ai bien fait mes 5 ou 6 séances par semaine, toutes les semaines, tu vois, eh ben, je me donne une récompense. Ça peut être ça. Et ce serait quoi à ce moment-là, cette récompense que tu as choisie? Tu vois, je me fais un resto. Je me fais... Moi, un jour, tu sais, j'anime des séances de sport. Et un jour, j'ai une dame, je dis, bah, pourquoi tu viens, toi? Elle dit, moi, parce que quand je viens, après, je sais que je peux manger un baba au rhum et que voilà, quoi, je l'ai dépensé avant. Ok, pourquoi pas, tu vois. Il y a des trucs qui existent. Je ne sais pas si je mets là, je ne suis pas sûr que ça se voit à la vidéo, mais
Attends, je regarde là, si ça se voit. Il y a une petite latence. Ça se voit pas. Tout ça pour ça. C'est pas grave. Tant pis pour ceux qui sont pas là, ils avaient qu'à être là. En gros, je vais le faire dans un Excel, comme ça ils le verront quand même. Trop sympa. C'est vraiment tout simple. Moi, je vous montrais sur Excel, mais je le fais papier crayon en général, je préfère. Mais je me mets ici mon habitude. Alors, il y a même des outils en ligne qui proposent ça gratuitement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par exemple, faire 20 minutes de sport. Et puis, voilà. Ici, je vais mettre J1 pour jour 1. Alors, on peut mettre la date, évidemment, mais. Etc. Voilà. Et puis après, c'est juste simplement mettre une couleur en fait. C'est-à-dire que. Pardon, là je l'ai fait. Alors vous le faites au marqueur, hein, un petit coup de stabilo. Là il est. Je vais dire là je l'ai fait. Alors dans les trucs pro, c'est sympa parce qu'il y a une progression. C'est-à-dire que le premier vert il est très clair sur l'ordinateur. Et puis plus ça va et plus c'est foncé. Et après on arrive sur du noir. Et on dit là, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait tout le temps sans lâcher le truc. Après il y en a où ça va faire. Vous allez colorier ici par exemple. Je ne l'ai pas vraiment fait, quoi. J'ai fait un peu, mais je ne l'ai pas complètement fait. Ici, je l'ai vraiment complètement fait. Ça, c'est cool, tu vois. Là, je l'ai complètement fait. Là, je ne l'ai pas fait. OK, je redémarre. Alors après, vous pouvez faire votre progression comme ça aussi. Hein. Vous faites comme vous voulez, de toute façon. Hein. Et puis là, à un moment, c'est bon, tu vois. Enfin, et puis, tu te dis, quand j'ai colorié, alors le week-end, je ne fais pas, mettons, hein, c'est mon organisation. Et quand j'ai fait, ici, j'ai une récompense. Je vais dessiner un pouce. Je sais pas, et là, je me mets ma récompense, j'en sais rien, à la fin du mois, par exemple. Ça, c'est un truc, moi, je le fais plus trop. Là. Alors, on voit les mêmes, si vous tapez sur Pinterest, vous allez le trouver, par exemple, mais on voit les mêmes, des fois, avec en cercle. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez ça, vous le tournez. Ça permet d'en mettre beaucoup sur peu de place. Bon. Vous avez, en gros, une espèce de graphique comme ça. Et en gros, à chaque fois qu'il y a une ligne, il y a un objectif ou une habitude. Alors, mettons, j'ai... voilà, puis après, on joue avec les couleurs. Oui, je sais, ça ressemble à un oignon. Mais bon, voilà. En gros, ça fait ça. Là, il y a 30 jours, ou je sais pas. Hein. Je n'ai pas prévu de vous le montrer, donc je n'ai pas d'exemple sous la main. Mais... Et puis, en fait, voilà, la progression, elle se fait comme ça. Puis vous prenez une autre couleur pour l'autre, vous le faites au marqueur, etc. Puis ça vous permet de voir l'évolution de la progression. Ça peut être ça aussi. Tu te dis, tiens, je l'ai bien fait. Quoi. Bon. C'est un peu gadget, mais ça peut... Ok, bon, là-dessus on va s'arrêter, on va faire une pause, et puis ensuite on va passer à la partie, comme on a introduit ce que c'était qu'un projet, après on va aller clarifier votre projet pro, on va écrire le contexte, vos objectifs, alors même si c'est plus ou moins avancé, ça peut être la thèse ou ça peut être ce qui vient après, en fait, mais qu'on commence à rentrer dans, voilà, je sais à quoi je veux aller au niveau pro, puisque là on était un peu global, hein, même si dans le global vous pouvez avoir mis un objectif pro, mais je sais à quoi je veux aller, bon mais maintenant je fais comment ? Pour y aller. C'est quoi les étapes? Comment je vais sur mon plan d'action, etc. On a un plan d'action. La même logique, mais plus fin et plus adapté au projet pro. OK? Bon, je vous propose qu'on fasse une pause. On peut prendre peut-être 10 minutes. Là, si vous voulez, on va jusqu'à 11h10. Ça fait 10-15 minutes. Ça vous va? Je suis pas sûr.
Merci.
J'ai une belle bonne raison de remettre à jour mon bilan, mon journal, mon agenda bilan, ce que je viens de faire. C'est que maintenant, je suis parti une équipe complètement tous les jours, toutes les semaines, sur les éléments passés à venir. Donc en fait, ça va bien faire du bien. De rendre compte aux autres. Je pourrais dire aux autres, ouais, ben, maintenant, je suis un influenceur YouTube, quoi. Et ils vont faire, waouh, t'es trop fort. À part, hier, on a fait on avait deux personnes à l'Académie Aluminière. En fait, c'était, ça s'inscrivait dans une série webinaire. Il y avait deux, trois qui avaient été faits avant. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai vu leur webinaire, que le fond est bien. Je me suis dit, la forme, c'est pas possible. Quoi. Vous êtes assis, la caméra filme votre trou de nez, avec la lumière. Enfin. Donc, on a fait un setup. On a changé un peu la disposition, tout ça. Et c'était hyper facile. Hein. Je trouve pas ce que je cherche. Ça m'embête. Donc, on va enchaîner sur la partie projet. Donc là, on était tout à l'heure plutôt sur le projet de vie, les grands horizons, un peu perso, etc. On va ramener sur des choses un peu plus ingénieures, un peu plus concrets, un peu plus opérationnelles. Votre projet pro. Alors, votre projet pro, ça peut être votre thèse ou ça peut être l'après-thèse. Hein, ou ça peut être autre chose, mais c'est ce que j'ai en tête. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête, c'est ce qu'il y a dans la vôtre. Donc, moi, je vais vous demander, comme le but, c'est de vous accompagner dans la mise en mouvement de votre projet, le prérequis, c'est la mise en mot. On met en mot et après, on met en mouvement. Donc, on va commencer par clarifier votre projet pour le rendre clair. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. C'est normal, on est tous pareils. Et ce n'est pas toujours si facile que ça que de savoir quel est l'objectif, enfin, de clarifier mon projet de thèse. Donc, selon votre état d'avancement par rapport à la thèse, il y en a pour qui ce sera plus ou moins facile. Vous pouvez me redire, levez la main ceux qui sont en première année de thèse. Ok, deuxième année. Troisième année. Ouais, donc c'est un tiers à peu près, quoi. Ok. Donc, effectivement, pour ceux qui sont en troisième année de thèse, peut-être qu'il faut plutôt réfléchir à l'après-thèse que à la thèse. Pour ceux qui sont en première année, c'est très pertinent de faire ça maintenant. Mais pour le coup, vous risquez d'être frustré parce qu'on va manquer un peu de temps, parce qu'on n'est pas consacré qu'à ça. Pour ceux qui sont en deuxième année, logiquement, ça devrait être assez confortable et pertinent. On verra. Pour clarifier votre projet, je vous passe la partie explication avant pour ne pas perdre trop de temps. Mais en gros, vous n'allez pas me parler de votre projet. Vous allez me parler de votre contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel votre projet s'inscrit. C'est parce qu'il y a un environnement autour du projet que le projet a du sens. Parce que le projet va faire changer son environnement, il va changer quelque chose. Il y a un avant et il y a un après. Sinon, ça ne sert à rien de bosser et ça ne sert à rien de faire des efforts. Donc, s'il y a un impact de vos actions, de votre projet sur son environnement, c'est ça que vous allez me décrire en premier lieu. Parce que ça va vous permettre de vous focaliser sur autre chose que sur votre projet, mais sur les résultats de votre projet, sur son impact. Et ça, ça va donner du sens à votre action. Et quand vous aurez demain besoin de fédérer, ce sera plus facile. Et vous allez mieux comprendre à quoi vous servez. Après, vous irez dans votre projet. Mais ça, c'est ce que vous faites tous les jours. D'être dedans, d'ouvrir le capot, etc. Et d'aller fouiller dans le moteur. Avant ça, ok, ça sert à quoi le moteur, tu vois. Donc, pour ça, vous n'allez pas me parler du projet. Vous allez me clarifier le contexte du projet. Parce que le contexte, c'est ce qui donne la raison d'être. Okay. Et si je n'ai pas compris à quoi ça servait, à un moment ou à un autre, je vais bugger. Quand j'aurai des décisions à prendre, je n'aurai pas de cap auquel me raccrocher. Pour trancher. Bah, on fait comme ça ou on fait comme ça techniquement? Bah, je ne sais pas. Et en fait, il faut que je me raccroche à un cap. Le cap, c'est la raison d'être du projet. Mon projet, il a telle finalité. Quelle est des deux techniques, celle qui me rapproche le plus de ma finalité? Des fois, on a une réponse qui est évidente. Ça, parfois, non. Et donc, ça vous donne un cap. Voilà. Pour comprendre le projet, il ne faut pas parler du projet, il faut parler de ce qui est autour. C'est ce que je viens de dire en préambule. Donc, concrètement, comment vous allez faire? Vous allez me clarifier le contexte de votre projet, donc l'écrire.
La technique que je vous propose, voilà, bon, ça c'est le prérequis. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, si vous n'êtes pas capable de présenter succinctement, c'est-à-dire en 1 minute ou 2 minutes, pas plus, le contexte de votre projet, c'est que contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas clair. Vous allez me dire, si, c'est bon, c'est très clair. Bah écoute, c'est génial, écris-le, dis-le en 2 minutes, moins de 2 minutes. Si tu es capable de me présenter en moins de 2 minutes à quoi sert ta thèse et ce qu'elle va changer, et les grandes lignes, hein, on ne rentre pas dans le détail, en moins de 2 minutes, c'est que c'est clair pour toi. Si tu ne peux pas le faire, c'est que ce n'est pas encore clair, en fait. Okay. Faut que moi, qui n'y connais rien à votre thèse, je sois capable de comprendre, en vous écoutant au bout de 2 minutes, quels sont les enjeux, à quoi ça sert, et que je comprenne. Donc, il ne faut pas rentrer dans un vocabulaire trop technique, pas à ce stade-là. Il faut être généraliste. Okay. Par exemple, si je vous parle de ce que nous, on fait au travail, nous, on considère que le travail, c'est un moteur puissant de développement humain. Normalement, quand on a un travail qui nous convient, on s'épanouit, on apprend des choses, on gagne de l'autonomie, on gagne de l'argent, et on est mieux, en fait, dans sa peau. Et si votre travail ne vous permet pas d'aller vers ça, ce n'est pas le bon travail. Ou c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas. Le management n'est pas bon, que les pratiques RH ne sont pas bonnes, etc. Donc ça, je vous le résume de manière très simple, mais on aurait des pages et des pages de littérature là-dessus. Et logiquement, quand je le résume comme ça, vous le comprenez. On se comprend. Et après, je vous dis, et donc, mon travail, ça va être d'étudier la manière dont on peut améliorer les pratiques au quotidien pour faire en sorte que le travail devienne un levier de développement humain. Et là, à ce moment-là, je rentre dans mon projet. Et j'ai commencé par situer le contexte, qui est là, en l'occurrence, une conviction, une croyance. Alors, si j'avais du temps, je vous dirais, voilà, l'ONU montre que machin, il y a des classements, ça sort pas de n'importe où. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, pour présenter votre contexte clairement, et on va partir du postulat qu'il y a deux impératifs pour partager ces idées avec les autres, d'une manière générale. Le premier, c'est qu'il faut que vous soyez audible, il faut qu'on comprenne ce que vous dites. Donc, on va éviter le vocabulaire trop technique, trop spécifique, les phrases compliquées, alambiquées, etc. On va essayer de faire simple. Plus c'est simple, mieux ça marche, plus c'est efficace. Et on a tous le défaut de vouloir écrire trop, en fait. Deuxièmement, il faut évidemment que votre discours audible soit convaincant. Parce que si c'est audible mais que vous ne convainquez pas, vous n'arrivez pas à convaincre vos interlocuteurs, ben, vous restez tout seul. Et tout seul, vous ne ferez rien. Et si je suis convaincant, enfin, je ne peux pas être convaincant si je ne suis pas audible. Donc, il faut les deux dimensions. Donc, comment je fais pour être audible? Alors, il y a des principes généraux. Okay, on va pas s'enfermer dans des règles. Il faut comprendre le pourquoi. Quelques principes généraux qui sont vraiment du bon sens, en fait, hein. Je les pose parce que ça aide à comprendre ce qui va venir après, c'est-à-dire la trame, qui est une proposition d'écriture, mais qui n'a de sens que parce qu'elle répond à des principes fondamentaux. Pour que mon discours soit audible, faites des phrases courtes. Si vous commencez à... Alors, je vais vous parler en introduction d'un sujet qui va passionner les foules, parce que depuis des années, ça intéresse les foules, et ces foules sont intéressées. Putain, va au but, quoi. Je vais vous parler de réussite. Moi, quand je démarre ma conférence, par exemple, sur le thème du travail ensemble, quand je démarre, je dis aujourd'hui, je vais vous parler de réussite. Stop, en fait. Et les gens, ils sont accrochés, ils comprennent. Et si je commence à faire des grands discours dans tous les sens, machin, bon, les gens, ils écoutent plus. Donc, allez à l'essentiel. Surtout dans l'écriture. Là, on est dans l'écriture qui pourra servir de discours, mais dans l'écriture, je mets ma colonne vertébrale. Okay? Je ne déploie pas trop. Ensuite, vos phrases, si on veut qu'elles soient audibles, ben, ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. C'est sujet, verbe, complément. Une phrase en français, c'est un sujet, un verbe, un ou des compléments. Et parfois, il y a des phrases dans lesquelles il n'y a pas de verbe, où il n'y a pas de sujet. Comme vous êtes dans votre idée, vous déroulez, ça vous paraît logique. Sauf que ceux qui écoutent, ils comprennent rien, en fait. Tu parles de quoi? Il n'y a pas de sujet, en fait. Enfin, moi, mon ex-compagne, elle fonctionnait, elle était dans sa tête, elle est très sympa, machin. Mais quand elle faisait des phrases, je me suis dit, je comprends rien de ce que tu dis. Il n'y a pas de verbe dans ta phrase, quoi. Pardon, mais alors je passais pour un vieux réac, ce que je suis peut-être. N'empêche que sujet, verbe, complément, tout le monde comprend. Basique, hein, vraiment basique. Et l'idée, pour que ce soit audible, il ne faut pas qu'on comprenne simplement les mots que vous donnez, mais il faut qu'on comprenne le sens de ce que vous allez dire. Donc, vous allez raconter une histoire, vous allez créer un mouvement, vous allez mettre en mouvement votre interlocuteur. Puisque le projet, d'une manière générale, c'est une mise en mouvement, donc permet de passer du rêve à la réalité. Donc, pour que mon interlocuteur suive le mouvement que je lui propose, il faut que je lui fasse passer par des étapes qui soient logiques et audibles pour lui, qu'il comprenne. Et donc, la manière dont je vais écrire ça, ce sera en sorte que dans sa tête, il dira forcément oui. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais si je vous dis, ben, aujourd'hui il pleut, sujet, verbe, complément, ok, bah oui, il pleut, oui, ok, c'est ma première idée. Le problème, c'est que moi, j'aime pas du tout être mouillé.
La phrase, elle est courte, elle est simple. Hein. Bah oui, et puis personne ne peut s'opposer à ça. Et donc, il faut que je trouve une solution pour ne pas être mouillé. Et là, en fait, je suis en train de vous donner déjà un cheminement. Il est basique, mon exemple. Il est vraiment basique de chez basique. Mais il pleut, je n'ai pas envie d'être mouillé, donc il faut que je trouve une solution. Parmi les solutions qui s'offrent à moi, il y en a plusieurs. Mon projet, c'est de choisir la meilleure des solutions. Évidemment, il est nul comme exemple, mais c'est pour comprendre le raisonnement, la logique. Okay. Donc, à chaque fois que je vais présenter des phrases, elles vont être ordonnées, elles vont être écrites de manière à ce que ce soit factuel et qu'on ne puisse pas dire autre chose que oui. Et elles vont être ordonnées, donc on va faire ça plusieurs fois, et elles vont arriver, donc elles vont s'enchaîner de manière logique pour arriver à une conclusion qui est donc mon projet est utile. En fait. Donc, mon projet, il a une raison d'être. Accessoirement, le fait de mettre mon interlocuteur dans un état qui lui fait dire oui, ça, c'est des techniques. Alors, je l'ai découvert plus tard, moi. C'est des techniques qui existent notamment en hypnose, qui existent en technique de négociation. Parce que, une fois que j'ai fait faire répéter 4, 5, 6 fois oui, même mentalement, le suivant, ça va être un oui aussi. Et les politiciens maîtrisent très bien ça. Moi, je l'ai fait à une époque volontairement et consciemment avec un collaborateur chinois, donc il n'y avait pas forcément la même culture. Donc, il y avait des comportements qui m'agaçaient, mais ce n'est pas forcément une volonté de nuire. C'est parce qu'il n'y a pas les mêmes repères. N'empêche qu'il faut qu'il comprenne les repères dans lesquels il est arrivé. Et en gros, il n'était pas content parce que le vendredi soir en partant, il me demande s'il peut prendre son lundi. Je dis, bah, non, t'es là lundi, j'ai besoin de toi, on a du boulot. Tu me préviens vendredi soir pour lundi matin, c'est trop tard. Non, tu es là lundi, quoi. La réponse, tu ne l'as pas plus. Donc il s'énerve, je lui dis non, mais c'est comme ça, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, tu viens lundi, point, quoi. Et puis il s'énerve, il envoie des mails pendant le week-end. Puis comme je ne réponds pas, il s'énerve, il envoie des mails qui, pour moi, sont carrément insultants. Alors, moi, je boue, hein, mais je ne réponds pas. J'appelle mon président, qui est un vieux de la vieille, hein, qui a l'habitude du management, etc., et qui me guide. Qui me dit, bah, tu le convoques lundi en entretien. Et en fait, il m'a fait faire ça. Et donc en entretien, je dis, bon voilà, Kai, il s'appelait Kai, t'es d'accord avec moi que vendredi soir, tu m'as demandé ça? Bah oui. Okay. T'es d'accord avec moi que je t'ai répondu non? Bah oui. T'es d'accord que effectivement, dans la foulée, t'es d'accord pour dire que tu m'as envoyé des mails et que tu as écrit ça, ça et ça. Pas dire non, les mails sont là. Je dis ce que tu as écrit ici, c'est insultant. Ah bah non, je dis, ah bah si, ça. Je dis, toi, si on t'envoyait ça, tu réagirais comment? Bah oui, c'est sûr. On est d'accord que je suis ton responsable hiérarchique. Et que c'est pas normal de se laisser insulter quand on est responsable hiérarchique. Donc tu mérites une sanction. Bah ouais. Je n'ai pas mis la sanction parce que l'idée, ce n'était pas de l'allumer, c'était qu'ils comprennent. Mais le fait de cheminer comme ça, il s'est passé ça, puis ça, puis ça, donc sur des faits. Hein. Aller sur des faits, ça vous protège en fait, ça vous sécurise. Il s'est passé ça. C'est ce que fait normalement la justice. Okay? On ne donne pas un avis, on ne donne pas un sentiment à ce moment-là. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc, je te sanctionne. Bah ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà, ça suffit en fait, il a compris. Donc c'est pas admissible. Et à la fin de l'entretien, lui, je lui ai dit, bah écoute, voilà, on n'est pas d'accord. Donc est-ce que tu veux que je sollicite le président? Elle me dit, bah ouais, on va parler au président, c'est pas normal. D'accord. Je dis, ok, réfléchis, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va constater un désaccord entre toi et moi. Au pire, il va considérer qu'il y en a un des deux qui doit sortir. Au pire. À ton avis, qui c'est qui sort? Le stagiaire qui est là depuis 3 mois ou le directeur exécutif? Ah, t'es sûr que tu veux qu'on lui en parle? Non. Tu vois. Et donc, en fait, c'est une manière de partager un raisonnement de manière simple à mon interlocuteur. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement de lui montrer une photo, c'est de lui partager un film. Le film que moi, j'ai envie de mettre en œuvre grâce à mon projet. Okay? C'est l'exemple, je ne pense pas vous l'avoir fait, mais je le fais à chaque fois, mais je pense pas vous l'avoir fait à vous. Ceci est un verre. On peut même mettre une olive si on veut, un verre de martini. Donc, levez la main si vous pensez que le verre est à moitié plein. On est à 50%, hein, ok, à peu près. Levez la main si vous pensez qu'il est à moitié plein. Ok. Levez la main si vous pensez qu'il est à moitié vide. Oui, bon, mais oui, on peut penser et qu'il est à moitié plein et qu'il est à moitié vide. Il y en a deux qui n'ont pas levé la main, si je ne me trompe pas. J'ai de l'arthrose. Ok. Un verre de vin. Ah, tu vas bien te faire chier pour faire de la géométrie avec mes vaguelettes là. Hein? Attends, parce qu'on va être précis. 50% liquide, phase aqueuse. 50% gaz. 80%
de azote. Bon, voilà. Ouais, c'est le même verre. Hein. Alors, du coup, maintenant, est-ce que tu peux lever la main, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Bon. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre lecture de cette situation-là? Si je vous pose cette question-là maintenant, par rapport à ce que je disais il y a 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, parce que ça prend du temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une autre lecture de cette situation-là. Je n'ai pas tout compris ce que tu disais. Hein. Ouais, mais ça, c'est un constat, en fait. C'est un constat, c'est passif, c'est statique. Bah déjà, je te remercie parce que ça veut dire que je dessine bien. Ensuite, ça veut dire que tu as un certain sens de la déduction. Oui, non, alors en fait, comprenez ce que je vous dis. Mon projet, mon travail, en tant, quand j'amène un projet, quand je le mets, c'est de créer un mouvement. Okay. Là, quand je regarde ça, pour l'instant, je décris une situation de manière passive, statique. Okay. Je ne suis pas en train de décrire un mouvement, là. Je suis en train de décrire une image fixe. C'est chiant, c'est pas intéressant de regarder une image. Alors si on va au musée, on regarde, oh, c'est magnifique. Moi, j'arrive, je dis, combien ça vaut, ça? Bah, c'est inestimable. Ah oui, alors du coup, c'est magnifique, oui. Oui, oui. Mais je vais passer une heure et demie à regarder un film. Je ne vais pas passer une heure et demie à regarder un tableau, en fait. Enfin, en tout cas, pas moi. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si c'est à moitié plein ou à moitié vide. Donc, je vous ai biaisé avec ma question. Enfin, je vous ai bien biaisé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le vider ou est-ce que je vais le remplir? Si je vous dis, hé, les gars, venez, on va le remplir. Ou viens, on va le vider, c'est encore plus festif. C'est pas la même dynamique et c'est pas la même lecture que si je vous dis ah oh, bah il est à moitié plein ou à moitié vide. Ouais, ok, d'accord, c'est bien, c'est une donnée, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Donc vous, quand vous allez décrire votre projet, le but c'est vraiment d'avoir la capacité de mettre votre interlocuteur en mouvement. Donc bah, on constate que ce verre est rempli de 50% d'air, 50% de liquide, et or bah, moi je voudrais bien le remplir complètement pour pouvoir le vider après. Ok, bah là, on se projette dans le futur. Et là, je peux m'inscrire dans le mouvement. L'autre peut s'inscrire dans le mouvement que je propose, dans mon projet, dans ma proposition. Parce que c'est notre projet. Ouais, je suis humoriste à des heures perdues. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le constat initial. Et j'utilise le constat initial, mais pour amener à un mouvement. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est on va vider ce verre tous ensemble. Est-ce que vous êtes partant? Bah oui, là, c'est vachement plus motivant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me comprenez? Ça paraît tout bête, et c'est tout bête, mais il ne faut pas l'oublier. Parce que si vous voulez embarquer les gens, et même vous-même, il faut créer du mouvement. On n'embarque pas les gens quand on est passif. Donc le principe, c'est de dire que pour être audible, la présentation de mon contexte, je fais des phrases courtes, sujet, verbe, complément, simple, plus c'est fiable. Okay, on ne fait pas de la Ferrari, là, on fait de la Dacia, truc de base, mais qui marche. Auquel notre interlocuteur va naturellement, il ne pourra pas répondre autre chose que oui. Il va me dire, bah oui. S'il te dit, oui. T'as gagné, en fait. C'est top. Quand le mec dit, oui, c'est évident. Ouais, c'est évident, ouais. Bah, j'ai gagné, en fait. Mon idée, elle est passée, tu vois. Ça s'enchaîne plusieurs fois parce que c'est ça qui va amener un raisonnement et j'arrive à, de manière très logique à mon projet. Donc ça va me permettre d'amener mon projet, en fait. La conclusion, c'est mon projet. Donc, comment j'écris ça? Eh bien, il y a une trame que je vous propose, je vous en proposerai sûrement une deuxième. C'est « on sait que, or, donc ». Ça, c'est un truc que j'ai vu en première terminale avec mon prof qui était agrégé en bio, prof de SVT. Ça marche, vous n'allez pas savoir ce que j'ai pu faire avec ça. Alors j'ai eu mon bac bio avec ça, hein, y compris sur des sujets qu'on n'avait pas travaillé en cours, mais j'ai aussi réalisé des études de marché à plus de 40 000 euros avec juste ça. C'est-à-dire que c'est une base de raisonnement. On sait qu'il pleut, or j'ai pas envie d'être mouillé, donc il faut que je me protège de la pluie. Voilà. Et là j'ai mis en mouvement, j'ai commencé à amener du raisonnement. Bien sûr mon exemple il est extrêmement basique, mais on sait que, alors ce que je pourrais prendre comme exemple de sujet de thèse par exemple, on sait que le cancer est une des premières causes de mortalité chez l'homme. Or, on aimerait bien mourir un peu moins, donc il faut qu'on arrive à soigner le cancer. C'est très généraliste, tu vois. Mais on sait que les cellules cancéreuses les plus mortelles sont tel type. Or, il y a des études qui ont été menées qui montreraient que peut-être on pourrait les agir là-dessus, mais on n'a pas toutes les infos. Donc, je vais essayer d'aller chercher des infos complémentaires. C'est bon, j'ai compris à quoi ça servait, en fait. Hein. Et je le fais de manière basique, mais si vous arrivez à le rendre aussi simple que ça, alors le « on sait que » on peut en avoir plusieurs. On sait qu'il pleut, on sait que la pluie ça mouille, on sait que être mouillé c'est désagréable, voilà, et on sait qu'on n'a pas envie d'être dans une situation désagréable. Or, je n'ai pas de parapluie, donc il faut que je trouve une situation pour me protéger de la pluie, même si je n'ai pas de parapluie. Voilà. Encore une fois, mon exemple il est un peu nul, mais vous allez mettre ça en œuvre sur vos thèses, ça va être vachement mieux.
On va faire une première approche parce que quand on a formation gestion de projet, on peut passer presque une demi-journée ou une journée là-dessus, hein, des fois. Surtout sur les thèses, on n'est quand même pas sur des sujets compliqués. Si vous êtes en troisième année, c'est plutôt de dire, je sais que ma vie rêvée, c'est d'avoir tel équilibre demain. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Bon, pour ça, il faut que j'ai ma thèse. Ok, on sait qu'il faut que j'ai ma thèse. Or, une fois que j'ai ma thèse, ça ne m'assure pas d'avoir un boulot. Je ne sais pas, pour avoir cette vie rêvée, j'ai besoin d'avoir un boulot qui soit stimulant. Et on sait que je suis en train de faire ma thèse. Si tout se passe bien, logiquement, j'aurai ma thèse. Or, avoir ma thèse ne suffit pas à avoir le boulot de mes rêves. Il va falloir que je mette, que je m'acharne, que je creuse un peu, que je fasse des recherches, que j'aille rencontrer des gens. Donc, je vais établir un plan d'action qui va me permettre d'aller rencontrer un certain nombre de personnes pour identifier ce que je veux, pour me faire connaître, pour nanana, j'en sais rien. Bah, là, c'est logique. Bah oui, ok, d'accord. Vous êtes en entretien d'embauche ou en entretien de candidature sur un poste ou dans un labo, peu importe, bah, ça marche aussi. En ce moment, là, il y a les étudiants du bac qui sont en train de passer le bac, donc il y a les entretiens pour entrer dans les écoles qui sont en train de se mettre en œuvre, qui arrivent aussi. Voilà. On sait que, je dis n'importe quoi, je veux rentrer à Sciences Po. Voilà. On sait que notre civilisation est à un tournant et qu'elle est en train de vivre une transformation majeure. Problème sanitaire, problème, alors après on pourrait illustrer, hein, problème climatique, problème machin. Voilà. Donc il va falloir qu'on s'adapte. On sait qu'on va falloir s'adapter. Or, il va falloir pour ça des gens qui soient capables de porter ces changements. Et moi j'ai envie d'en faire partie. Donc je candidate chez vous. Putain, c'est vachement plus puissant que de dire bah, je suis venu là parce que papa il a fait Sciences Po et puis maman aussi, et puis il trouve que ce serait bien que je fasse Sciences Po, quoi. Et ça donne du sens en fait. Et là, vous n'êtes pas en train de parler de votre projet à vous, vous êtes en train de parler du contexte. Qu'est-ce que votre projet, en quoi il va contribuer s'il aboutit à faire un petit peu évoluer les choses, à ramener du mouvement en fait. Enfin, on sait, alors je ne sais pas, je veux candidater à Audencia, on sait que je sais pas, les échanges commerciaux sont structurants pour un pays. Or, ils sont en train d'évoluer, les attentes changent, les demandes changent, il y a une consommation plus responsable, j'en sais rien. Donc, il va falloir, enfin, en gros, il va falloir des gens qui soient capables de porter cette transition. Et moi, j'ai envie d'en faire partie. Voilà, parce que ça a du sens pour moi, ça me motive. Donc, bah, je candidate chez vous, c'est normal. Ah bah, lui, il sait pourquoi il est là. Hein. C'est, ah, il n'a peut-être pas le meilleur dossier, mais il sait pourquoi il est là. Moi, je suis rentré en IUP Biotechnologie de La Rochelle. J'ai appris après qu'on était, on devait être. Sur cette UP-là, on devait être 600 à peu près, il devait y avoir 600, 700 demandes. Et il y avait 20-25 places. Et moi, je n'avais pas le meilleur dossier scolaire, hein, c'est clair. Hein. Enfin, j'ai un dossier moyen, donc sur 600 ou 700, forcément, il y a plus que 20 personnes qui étaient au-dessus de moi scolairement. Hein. Sauf que moi, quand je suis venu, j'avais pas ça en tête, je ne connaissais pas, je n'étais pas conscient de ça. Mais je suis arrivé, j'ai parlé de comment je me suis pété de genoux, comment à cause de ça, je me suis réveillé, comment je me suis stimulé. Et du coup, ils ont compris que j'avais faim, ils ont compris qui j'étais. L'entretien qui devait durer 20 minutes, il a duré 1h30. Bon signe, j'ai passé 2 jours de tourisme à La Rochelle et quand je suis rentré dans la boîte aux lettres, il y avait le courrier qui disait oui. Alors qu'il y avait plein de gens qui avaient des meilleurs dossiers que moi. Mais pendant l'entretien, les mecs, ils ont accroché, ils ont percuté, ça leur a plu, ça leur a parlé en fait. Je savais pourquoi j'étais là. Et le tout premier cours qu'on a eu, c'est un cours de com et la prof, elle nous dit bah, vous allez me dire comment vous voyez dans 3 ans. On a fait là, tu vois. Donc moi, j'étais en bac plus. 2 à nouveau, quoi. Il a fait déjà un bac plus 2 et il a fallu re-rentrer avec plus 2. Bah, ça fait quand même jeune, hein. Alors, tout le monde, majoritairement des filles, bah, moi, je serais bien, je me vois en qualité, je me vois en prod, je me vois machin. Donc, vraiment, biotechnologie agroalimentaire, hein. Et moi, aujourd'hui, moi, je sais pas si je serai encore en agroalimentaire dans 5 ans. Ouais, scandale, quoi. Premier cours, hein. On était 5 mecs, il y avait 20 filles. Donc, toi, tu dis, bon, bah, cette année, bah, c'est mort, quoi. Hein. Il va falloir que j'aille chasser ailleurs, hein. Et là, donc tout le monde se dit ouais, tu te rends pas compte, tu prends la place de quelqu'un d'autre, tu as une formation agro, tu sais pas si tu veux faire de l'agro. Et la prof leur dit mais taisez-vous, quoi, vous avez rien compris. Il y en a qu'un qui a compris, c'est lui. Ouais, là, tu dis bon putain, ça y est, je vais me faire des potes, moi, ça commence bien. Et je leur dis mais non, mais je sais qu'il y aura toujours besoin de manger, donc il y aura toujours du travail dans l'agroalimentaire, c'est un besoin vital primaire. Évidemment qu'il y aura toujours du boulot, mais je sais pas si dans 5 ans j'aurai toujours cette envie-là. Peut-être qu'il se sera passé autre chose. Et donc je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Et les autres savaient pas pourquoi ils étaient là aujourd'hui. Mais je sais que demain, ça peut évoluer. Et en fait, elle les a calmés tous en disant, il n'y en a qu'un qui a raison, c'est lui, quoi. Il n'y en a qu'un qui a compris, en fait. Et 20 ans après, elle se souvient de moi, cette prof-là. Elle m'a réécrit il n'y a pas longtemps. Donc, c'est marrant. Et donc, moi, je n'avais pas cette trame-là, mais c'est ça. Et on sait qu'il y aura toujours à manger. Il y aura toujours besoin de manger. Donc, il y aura toujours du boulot dans l'agro. C'est peut-être pas ce qui paye le plus. Mais moi, je cherche quelque chose qui me permet d'avoir du boulot, en fait. Qui soit en lien avec mes origines agricoles, avec mon parcours, plutôt agroalimentaire, etc. Plutôt sciences du vivant.
Bah là, on est en biotechnologie appliquée au vivant, à l'agro. Bah, c'est cohérent, quoi. On verra la suite après. Bah, ça tient debout, en fait. C'est une raison comme une autre. Et c'est ce que j'avais présenté en entretien. Donc, il y avait pas un super dossier, des super notes. Il n'y avait pas des argumentaires béton qui détonnent tout le monde. Mais il y avait une logique. Et cette logique, j'ai su la partager avec mes interlocuteurs qui ont su la comprendre et se l'approprier. Et donc, ça leur a plu. On s'est connecté. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Mais si je résume, la mécanique, c'est ça. Voilà. On sait que or donc. Ça marche pour tout, ça. Après, il y a des versions un peu plus élaborées, je vous en montrerai, mais voilà, ça c'est l'exemple dont j'ai parlé. On sait qu'il pleut, la pluie mouille, voilà, alors j'ai pas envie d'être mouillé, donc je me protège de la pluie. Donc ça, c'est la structuration que je vous propose pour écrire le contexte de votre projet pro, que ce soit la thèse ou que ce soit l'après-thèse, ou que ce soit autre chose. Parfois, si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, je peux faire, mais là, c'est plus une approche un peu plus commerce. Mais c'est la même chose, hein, quand je fais du commerce, quand j'essaye de vendre, j'essaye de mettre l'autre en mouvement, hein, pour l'emmener là où j'ai envie qu'il aille. Mais bon, là aussi, je vais l'emmener à voir ce que j'ai envie qu'il voit, en fait, hein. Donc, je vais lui dire, le problème, c'est ça. Les conséquences, elles sont là. Et la raison, c'est ça. La raison, c'est qu'il n'y a pas mon projet. En gros, quand je fais problème, conséquence, raison, c'est il y a un problème, c'est que l'humanité est sur le point de disparaître. Alors, ouais, clair. Les conséquences, elles sont dramatiques d'un point de vue. Alors, je ne sais pas, le problème, c'est le réchauffement climatique. Alors, on sait maintenant qu'on va prendre 2 degrés dans la gueule, quoi qu'il arrive. Et les conséquences sont dramatiques. Voilà. Parce que, en fait, on va avoir à peu près, ça on le sait, 2050, 1 milliard 5 de personnes qui ne peuvent plus vivre en Inde, enfin, sur la bande, voilà. Donc, il va falloir qu'ils arrivent. Et quand on sait comment on s'est battu pour avoir du papier toilette pendant le Covid, pas rassurant. Non, mais c'est vrai, mais. Donc, tu dis là, il y a quand même un sujet qui est un peu d'une autre nature que de savoir si on a la retraite à 62 ou à 64 ans. On n'en sera plus là, à mon avis, arrivé là. Donc, voilà, on sait que là, il se passe quand même des sujets qui sont majeurs. J'ai perdu mon fil, du coup. Or, on ne peut pas rester inactif, il faut anticiper ça. Et donc, il va falloir, je dis n'importe quoi, étudier les modèles de déplacement des populations. Il va falloir être capable d'intégrer ces gens-là dans nos cultures, dans nos civilisations, dans machin. Ma thèse porte sur la capacité à croiser des cultures et à les mixer, machin, j'en sais rien. Mais là, ok, je comprends à quoi ça sert. Parce que j'ai pris un pas de côté, j'ai regardé plus loin, plus haut. Et donc, oui, c'est problème, conséquence, raison, même chose. Le problème, c'est le réchauffement climatique. Les conséquences sont nombreuses. Sur l'économie, sur la population, des gens qui peuvent mourir, des zones, la géographie qui va changer, etc. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que nos pratiques sont telles que machin, mais on peut rien y faire. Donc, maintenant, le sujet, c'est comment je fais pour gérer ça, par exemple. Ok, problème, conséquence, raison. Moi, quand je fais ça, et donc la raison, c'est toujours, y a pas mon projet, hein. Si je suis en vente, par exemple, ah oui, votre problème, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance au sein des équipes. D'accord. Les conséquences, c'est quoi? Ben, les équipes s'en vont, donc, conséquences pour les équipes. La performance de l'entreprise chute. Les clients ne sont pas satisfaits. Je multiplie conséquences pour les clients, pour l'entreprise, pour nanana. Pour le dirigeant, bah, il a le moral en berne, et puis du coup, ça impacte sa vie perso, sa vie familiale, etc. Et pour sa femme et ses enfants, c'est galère aussi. Donc, quand je fais ça, quand j'agite ça, quand je pose des questions par rapport à ça, on en reparlera cet après-midi, je ne donne pas des réponses, je pose des questions. Je dirais, c'est quoi les conséquences pour votre vie privée à vous? Ah, ça me prend la tête, machin. Ça, c'est bien plus puissant que de lui dire, ça te prend la tête. C'est lui qui le dit. Donc, les conséquences, elles sont là, là, là. Quand j'agite ça, c'est juste pour qu'ils disent, putain, mais c'est vrai que c'est grave, en fait. Et c'est vrai que j'ai un problème, et c'est vrai que c'est grave, ce problème-là. Il n'a peut-être pas pris conscience, lui, que c'était grave. Et donc, si c'est grave, il faut faire quelque chose. Tant qu'il n'a pas compris que c'était grave, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à régler le problème, en fait. Donc, le problème, c'est ça. Les conséquences, elles sont nombreuses et elles sont lourdes. Voilà. Et la raison, c'est que, bah, on ne travaille pas encore ensemble. Vous n'avez pas encore mis en œuvre ce qu'il fallait pour résoudre ça. Sous-entendu, c'est pas grave, parce que si on le met en œuvre, ça va quand même résoudre une bonne partie des problèmes. Donc, je crée du mouvement là aussi. Je crée l'envie d'un meilleur futur. En lui disant, bah, si on bosse ensemble, logiquement, ça devrait aller mieux, quoi, parce que c'est mon boulot. Et je vais essayer de susciter dans sa tête une prise de conscience de ça. Ah, c'est vrai que j'ai un problème. C'est vrai qu'il est grave, ce problème. C'est vrai que je peux pas le résoudre tout seul. Ce mec-là, il a l'air pas mal. Mon entretien commercial, c'est ça qui doit se passer. Et c'est ça que j'essaye de provoquer dans la tête de mon interlocuteur. Mais pas en parlant ou en démontrant, comme je suis en train de le faire maintenant, mais en posant des questions. D'accord, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que mes équipes ne s'entendent pas bien. Ah, ok, c'est quoi les conséquences? Non, 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 d'accord. Et c'est quoi la raison? Ah, en fait, vous êtes en train de me dire que vos équipes n'arrivent pas à travailler ensemble. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je vends, moi, du travail ensemble. Donc, moi, je ramène sur ma raison, celle qui m'intéresse, tu vois. Bah oui, ah, vous êtes en train de me dire en fait, que vos équipes n'arrivent pas à travailler ensemble. Oui, d'accord, ok. Bon, là, je vais pouvoir vous faire des propositions, ça, c'est mon métier. Là, on est plus en version commerce, mais c'est la même logique. C'est se brancher avec l'autre pour essayer de regarder la même chose dans la même direction et trouver un projet commun.
Vous me suivez? Voilà. Donc là, je prends un peu de temps d'explication, mais en fait, quand on l'écrit, après, ça vient. Et puis, deuxième dimension, effectivement, il faut que votre argumentaire soit convaincant. Donc là, ça va aller vite parce que c'est ce que je vous ai dit avant, en fait. C'est-à-dire que pour le convaincre, il y a plusieurs manières de convaincre. Mais celle que moi, je pratique, et je ne sais pas trop en pratiquer d'autres, c'est de partager mon raisonnement. C'est ce que je raconte, l'histoire, mon raisonnement, ce qui se passe dans ma tête, les étapes. C'est ça que je vais partager. Et donc, ce que je veux, c'est que mon interlocuteur, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, prenne conscience qu'il y a un problème. Quel problème que vous contribuez à résoudre avec votre thèse. Ou si c'est votre problème perso, de dire, moi, demain, je veux avoir un environnement de travail qui soit épanouissant, ce qui est quand même une demande plus que légitime. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où je vais aller, quoi. Parce que j'ai une thèse, j'ai fini dans un an ou dans un an et demi, et je ne sais pas ce que je fais après. C'est un problème. Et c'est un problème important parce que ça va m'empêcher d'avoir la vie rêvée que je veux. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Et là, si je m'intéresse à l'autre, c'est puisque je parle à quelqu'un d'autre, c'est que lui, il a envie de me suivre dans mon sujet. Donc oui, il y a un problème. C'est vrai que ce problème est grave. Lui, il a pas mal pour le faire. Je vais écouter ce qu'il me dit déjà, pour commencer. Je l'ai accroché, mon interlocuteur. Et donc, problème, conséquence, raison. Voilà ce que je vous disais. Je n'ai plus mon slide exactement en tête, mais c'est ça. C'est quoi le problème? Quelles sont les conséquences et c'est quoi la raison? La raison, c'est que je n'ai pas encore mis en œuvre mon projet. Donc, sous-entendu, quand je vais mettre mon projet en œuvre, eh bien, j'aurais résolu ça, et donc j'aurais résolu ça, et j'aurais résolu ça. Au moins en partie. J'aurais contribué à résoudre ça. Et donc, ça veut dire que si je ne sais pas pointer du doigt quel est le problème que mon projet résout, vous pouvez parler de votre projet autant que vous voulez, on s'en fout, en fait. On n'aura pas compris. Quand on parle de son projet, en général, on a tendance à dire ce qu'on va faire. Et on ne dit pas ce que ça va changer autour du soi. On ne dit pas quel est le problème que ça résout. C'est moi, quand les gens me parlent de leur projet, j'ai ça en tête en permanence. Okay, c'est quoi le problème qu'on va résoudre? S'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas besoin de ton projet. Mon projet, c'est un médicament. C'est quoi la maladie? Enfin, comment je peux me parler de la maladie avant de me parler du médicament, en fait? Donc d'abord, je présente le problème qui va permettre de susciter mon interlocuteur une prise de conscience. Puis ensuite, je vais l'informer de la manière dont on peut résoudre ce problème. En tout cas, notre proposition à nous. On sait que, or donc. Ça, on va pas. Voilà, je vous l'ai dit à l'oral, donc je ne vais pas le redire. Je passe là-dessus. Ça, c'est problème, conséquence, raison, c'est ce que je vous expliquais avant. Donc, en gros, une trame pour présenter le contexte de votre projet, parce qu'après ça, vous présenterez vos objectifs. Là, vous êtes en train de dire, voilà ce que mon projet va changer dans le monde. Et ça, ça va parler aux gens, plus que vos techniques de scientifiques ou de chercheurs qui parlent qu'à une infime partie de la population. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ça. On n'a pas le vocabulaire, on n'a pas le recul, on n'a pas... Donc, on sait que, voilà le problème, il y a un problème. Or, éventuellement, il y a des conséquences. J'ai mixé les deux, problème, conséquence, raison, mais prenez ce que vous voulez là-dedans. On sait que, or, donc, mon projet. Voilà, ça, c'est le déroulé. Ça tient en 30 secondes, une minute maxi à lire. 30 secondes, déjà, ça fait une demi-page de texte, quasiment. En faisant des phrases courtes, avec sujet et complément, auxquelles on répond par oui et qui s'enchaînent plusieurs fois pour arriver à une conclusion logique qui est donc, il y a besoin de ce que je fais. Une fois qu'on aura fait ça, après, on présentera les objectifs. C'est-à-dire, ce à quoi je veux arriver, c'est ça, ça et ça. Ça viendra après. Et nous, si déjà on en arrive là, on sera pas mal. Présentez-moi votre contexte. Ensuite, mon objectif numéro 1, c'est-à-dire j'aurai réussi mon projet si j'arrive à ça, ça et ça. Et déjà, on sera bien. Une fois que j'ai ça, après, je peux faire mon plan d'action. C'est-à-dire que si je reprends mon déroulé, sachant que le projet est un chemin qui mène du rêve à la réalité, du rêve à la réalité, et qu'il y a 3 étapes, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans un monde parfait? Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Là, on est, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est quoi mon rêve, en fait? Le contexte, c'est quoi mon rêve? Après, on va dire voilà, à quoi j'aimerais arriver concrètement. Et après, on ira dans la liste des tâches. Et là, on dira voilà ce qu'il faut que je fasse. Et après, on va mesurer que ça peut se faire, que ça rentre dans le temps, que ça rentre dans le budget, etc. Nous, on ne va pas aller jusque-là. Okay, mais en gros, c'est mon projet, il est là. J'ai 3 objectifs principaux. Donc, je suis capable d'expliquer ça. Et les gars, on va changer le monde parce que ça. Pour ça, on va arriver à objectif 1, objectif 2, objectif 3. Et ensuite, pour atteindre l'objectif 1, on va être obligé de faire toutes ces actions-là. Pareil ici, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et là, on a une liste de tâches. À partir du moment où on a une liste de tâches, on peut les organiser dans le temps et dans l'argent, quoi. Nous, on va surtout se focaliser là-dessus et là-dessus. Parce que le reste, après, c'est facile. Et
puis surtout, on n'a pas le temps de tout faire, ou alors c'est la formation gestion de projet. Ça vous parle ? J'ai passé un peu de temps là-dessus parce que ça paraît logique, mais en fait, quand je le dis, ça paraît logique, mais après, les gens ils oublient, tu sais, ils manquent toujours un petit bout dans le raisonnement et donc on ne sait plus trop. Mais il faut le faire. Donc, l'idée, c'est que la présentation que vous allez faire, ça peut être une présentation, c'est ce que moi je vous demande, qui va faire 30 secondes, mais la manière dont elle est structurée fait que si vous déployez chacun des points de votre contexte, vous faites 20 minutes. Hein. C'est-à-dire que vous allez argumenter, après, vous, les arguments, vous les connaissez. Mais vous ne les donnez pas à l'interlocuteur en première approche, sinon, c'est plus audible, c'est trop long, il n'écoute pas. Donc, on va à l'essentiel. Donc l'idée maintenant, c'est vous allez prendre du temps, donc on va fonctionner en plusieurs couches, comme on a déjà fait. D'abord tout seul, papier, crayon, et vous allez prendre 5-10 minutes pour commencer à présenter votre projet. Vous allez vous mettre par deux, parce que vous êtes un nombre pair, ce sera bien. Donc d'abord, je prends 5 minutes ou 10 minutes tout seul, et je commence à écrire comme je peux, je ne m'embête pas à faire bien, je fais on sait que, or donc, pour essayer de donner les grandes idées, pour avoir un angle d'approche. Ensuite, donc tout le monde fait ça en même temps. Ensuite, on se met par deux. Le 1 présente ça au 2. Faites court. Vous lisez ce que vous avez écrit. Phrase courte, sujet, verbe, complément. Vous lisez, vous inventez pas des trucs. Pendant ce temps-là, l'autre se tait. Et quand le premier a fini de parler, le deuxième, il va poser des questions. Il va pas tellement commenter, il va dire ce qu'il en pense et éventuellement, il va poser des questions. Vous ne répondez pas aux questions, vous le redirez. Hein. Vous considérez que les questions qu'on vous a posées, c'est des pointeurs qui indiquent toutes les informations qui manquent. Donc, vous prenez les questions, c'est des trésors qu'on vous a donné. Ces questions-là, c'est des trésors. Je n'ai pas compris pourquoi tu veux faire ça. Je ne te réponds pas. OK, il faut que j'explique pourquoi je veux faire ça, parce qu'elle a besoin de ça pour comprendre. Et puis après, on fait dans l'autre sens. Et on réécrit. Et on voit ce que ça donne. OK ? Donc, pour ceux qui sont en visio tout seuls, ils n'auront pas cette phase d'interaction. Donc, c'est plus compliqué. Parce que ça a l'air de rien, mais des fois, ça peut demander des jours. De maturation, peut-être pas des jours d'écriture, mais des jours de maturation. L'idée, le contexte, le truc qui fait qu'à un moment ça sort et que c'est propre, à un moment ça vient, mais ça se trouve ça fait 3 mois que ça mature, hein. Ou même plus. Donc sur votre thèse, si vous êtes en première année, c'est galère parce qu'en général c'est pas très clair, au moins les 6 premiers mois. Si vous êtes en deuxième année, normalement ce travail il a commencé à se faire, alors pas forcément de manière formalisée, donc on a perdu du temps, mais ça commence à avoir de la matière. Si vous êtes en troisième année de thèse, faites-le pour l'après-thèse de manière à ce que le travail qu'on fait ensemble vous soit utile. OK ? Je vais vous mettre 10 minutes dans un premier temps d'écriture seule. Sachant qu'on a dit qu'on coupait à 12h30. Hein. Je vous remets cette slide-là. Ça a l'air de rien, mais si vous êtes capable de faire ressortir le sens des choses comme ça, mais vous embarquez qui vous voulez. Puis vous d'abord, hein, vous embarquez vous. Hein. Ça, ce qui est très dur, c'est de sortir de sa technicité. Quand on est des spécialistes techniques comme vous l'êtes, quand on est en thèse, forcément, on est un super spécialiste, on est en train de devenir un super spécialiste. Et là, on trouve ça de côté. C'est pas facile. C'est le contraire de ce qu'on vous demande.
Si vous avez tous fini, pareil, on peut faire un petit tour sur place.